Dans ce numéro de Sol Ring, le show magique qui met ton playgroup dans les cordes. Mais tu t'es pas battu, en fait. Tu t'es pas battu. Je couperai définitivement les ponts avec cette personne à partir de maintenant, à la fin de cette émission, avec tout le peuple belge également. Désolé, votre grande tante est morte, c'était une ressource. En fait, moi, je me gave, et puis les autres, bah juste, ils vont pleurer d'armes de sang. Donc. Est-ce que tu peux pas m'en offrir un petit peu plus pour cette fois-ci, et je saurai m'en souvenir. Ouais. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Sol Ring, le show qui met ton playgroup dans les cordes. Aujourd'hui, je vous propose une jolie game de préconstruit bien longue, bien difficile. Franchement, on est tous en manque de sucre à la fin, vous allez kiffer. Mais avant de passer à la game, laissez-moi vous présenter mes invités. Dans le coin rouge, quand il y a un jeu, il doit y avoir un maître et il a choisi de l'être. L'Incus est avec nous. C'est le plus foodie des blogueurs, pourtant il ne joue pas de token. Food, Adibou est avec nous. Elle lance des dés, mais ne laisse rien au hasard. Netarion est avec nous ce soir. Ça va être le feu, c'est parti. Est soutenue par Playin, votre boutique magique à Paris. Playin, c'est une boutique, un bar à jeu, mais aussi et surtout une équipe de passionnés. Et avec le code BANDIT2022, bah vous gagnez 50% de points de fidélité en plus, qui vous file des bonus, des trucs. Et moi, ça me file un peu de moula. Donc n'hésitez pas, BANDIT2022 sur Playin. Et maintenant, place au show! Et nous voici installés sur cette magnifique table, ça me fait toujours plaisir, bien entouré évidemment. Comment ça va? Bah ça va. Épouse, hein. Épouse-moi, comme dirait l'autre. Épouse-moi, ouais. Bon, on va jouer des petits précons à la cool. Je vous propose que vous nous expliquiez un peu, peut-être que l'Incus, tu peux commencer. Le mien est basé encore, comme j'aime bien ce genre de choses, toujours, sur les créatures légendaires Elfesprit qui va créer des élémentales, on dit, je pense, comme le fromage. En ciblant des terrains, en gros, je vais pouvoir prendre un de mes terrains, le transformer en une petite créature sympa qui aura la force de mon commandant. Donc ça va être bien sympa, ça va être bien cool et on va se marrer normalement avec ça. Ça fait des tons, quoi. Et du touche-terre. Et du touche-terre, et ça. Ouais, je joue des terrains, je rampe, je fais nawak. C'est mon style. Oui, ben oui. 100% du deck, c'est des terrains. Tout à fait. Eh bien, moi, je vais reprendre là où j'ai échoué dans un épisode précédent. Je vais reprendre et laisser une seconde chance à Nalia Dernys, évidemment précon de Baldur's Gate, où il faut tout simplement aller chercher une équipe. Hein, il faut compléter ma team pour pouvoir avoir des choses intéressantes à jouer. Et globalement, je vais vraiment essayer d'invade mon board et faire très mal avec elle. J'ai pas eu vraiment beaucoup de chance la dernière fois où je l'ai joué. Je lui laisse sa deuxième chance. Et voilà, je suis quelqu'un de magnanime. Hein. Et voilà. Impressionnant. Notre cher Adibou, qu'est-ce qu'il joue? Déjà, il joue un tribal que j'apprécie beaucoup, le vampire. Je suis moins gredin, et je suis très vampire, donc je vais jouer Anowon en Dimir, donc en bleu noir. Et lui, sa particularité, c'est que les autres gredins gagnent +1/+1. Bon, ça, ok, c'est cool. Mais à chaque fois qu'au moins un gredin inflige des blessures de combat à un joueur, eh bien, ce joueur se meule d'une carte pour chaque blessure, pour chaque une blessure, ce qui est plutôt cool. Et si jamais il y a une créature qui est meulée de cette façon-là, je pioche une carte. Donc on a le beurre et l'argent du beurre avec Anowon. Et ça me fait très très plaisir de jouer ce commandant. Le deck qui crispe la table, le voici. Attends, parce qu'il a quand même un beau préconstruit, le bandit. Allez, mais oui. Moi, je vais sortir un peu de ma zone de confort, parce que j'aime bien jouer des trucs un peu combo et tout. Et je vais jouer la crime. Non, mais du coup, moi, je vais sortir de ma zone de confort et je vais jouer l'Atril. L'Atril, c'est une commandante elfe. C'est une des commandantes les plus populaires maintenant sur les sites comme EDHREC. Et elle a un chouette effet, puisque à chaque fois qu'elle va infliger des blessures de combat à un joueur, je vais créer autant de jetons créatures 1-1 vertes, elfes et guerriers que j'ai infligé de blessures. Et elle a menace, donc elle est plus chiante à bloquer. Et elle a un autre effet qui fait que je vais pouvoir l'engager, engager 10 elfes dégagés que je contrôle et infliger 10 points de dégâts à un joueur, enfin faire perdre 10 points de vie à un joueur et gagner 10 points de vie. C'est bon. Donc voilà. C'est et ça bon. Va très vite d'avoir 10 elfes quand ça tourne bien, mais parfois ça tourne moins bien. Enfin bon, bref, voilà. J'espère que je vais réussir à en faire quelque chose. Voilà. Allez, avant de continuer,
On va parler du petit challenge, parce que vous savez, c'est la tradition. Solring, la première personne qui sortira de la table aujourd'hui devra manger une gousse d'ail. Voilà, comme un chips. Je nique juste votre soirée. Voilà, si vous aviez prévu quelque chose après, c'est fini. C'est qu'un problème. Finito. Ouais. C'est, oui. Je viens d'un endroit où ça se fait, donc ça me va. Voilà. Et gros big up aux accompagnateurs de train du Thalys qui tomberont sur notre fine équipe. Là, ils vont prendre cher. Si. Bah après, il faut. Et on peut ne pas perdre aussi. On hein. peut aussi ne pas perdre. C'est un deal, l'ail. C'est un deal. Donc, c'est bon, deal. Totalement. Je pense que c'est bon pour l'estomac en plus. Après la frigadelle spéciale que j'ai mangée hier. Le retour de la fameuse frigadelle, oui. Ça, c'est magnifique. Le retour au pays va être pas mal, ouais. Venez, on va lancer un petit dé. C'est pas un dé de jeu de rôle, c'est un dé. On va commencer à réussir. Ça va faire 20, tu vois. Ouais, non. Non, non. Tu regardes. C'est un pouvoir que j'ai en fait. Il faut vraiment arrêter ça. ça me fait peur en fait. Ouais, mais c'est flippant, je sais. Hein. Tu veux pas faire la même chose quand j'ai un projet ? 3. Tu marches qu'avec les dés. Ah, je suis baisé. Tu commences en deuxième, ouais. Non, non, c'est aiguille d'une montre. Ah putain, oui. Bon, c'est pas tout ça, mais les gong, comme diraient les jeunes, pour une masterclass, un banger en légende. Une nouvelle partie de Solring, le show qui met ton playgroup dans les... cordes. Je vais garder. Adibou. Je vais garder. Je garde également. Et je vais garder. Ok, je commence, je pioche. Je joue donc une plaine. J'engage pour faire mon mana et j'invoque la mère des runes. C'est une 1-1 humain cléric. Je l'engage. La créature ciblée que je contrôle gagne la protection contre la couleur de mon choix jusqu'à la fin du tour. Super réimpression. Oui, c'est une des cartes qui a été fortement attendue sur la sortie du précon à ce niveau-là. Et j'ai enfin le plaisir de la jouer. Fin de mon tour, je t'en prie, Adibou. Merci beaucoup. Adibou. Oh, quelle élégance dans la prise de carte là. Ouf. On est à la limite de la pornographie, fais attention. Je l'engage, je mets un voleur des vendances, il a un vol. À chaque fois qu'elle affiche les blessures de combat à un joueur, ce joueur meule une carte et une seule. Et si je sacrifie le voleur des vendances, je pioche une carte, mais je ne peux le faire que si un adversaire a 8 cartes dans son cimetière. Oui. Très bien. Tout à fait. Fin de tour. À mon tour donc, je prends ma carte. J'ai envie de chialer, mais tout va bien. Vraiment. Just chialing, je pose une forêt et ça sera une fin de tour. Ok, je vais piocher ma petite cacarte. Ouh, ça me régale. Mais oui. Marais, regardez sans les yeux, tout va. Oh, nos solaires. Incroyable. Et voilà, plaisir, Solring Tourin. Je me dis honnêtement, là, je sors, je me projette, quoi. Tu vois, je me dis. La trille tour 2, j'attaque, je fais des elfes, ça va partir en couille quoi. T'as pas déjà déterminé qui était le vainqueur de la win? Et de c'est la une. Le vainqueur de la win? Le vainqueur de la win, voilà. C'est moi le vainqueur de la win. Et c'est une fin de tour, vas-y, je t'en prie. La rage de win. La rage de win, oui. Je ne tape. La rage de win. Je draw, je vais jouer un marais. Le vainqueur de la win. Et je ne peux rien jouer pour l'instant, donc je vais passer le tour. Le tour. Pourquoi on parle tous comme Jean-Luc Reichmann? Je sais pas. Et c'est un oui. Et c'est la question co, la question qui. Je joue un marais pour copier net, parce que j'ai envie de la copier. Je joue ton deck un peu. Et je vais attaquer mon ami Band. Ah putain, le first blood quoi. Qui est de 1, tu me. Ouais, et tu me l'une seule. Je vais mener le prix de l'ambition. Là, t'as trop d'ambition, Bandit, c'est pour ça. T'as trop envie de briller. Et je vous en supplie, à perdre un point de vue, par contre. C'est super RP, ce qui... C'est du rap. Pardon, tout excuse-moi. C'est du rap tout terrain. C'est du rap. Et c'est une fin de tour. Je pioche ma carte, toujours envie de chialer. Petite plaine, sans prétention, évidemment. Et pour deux, je vais mettre le partisan sylvestre qui a la vigilance et tant que vous contrôlez au moins 6 terrains, ce qui n'est pas le cas, mais si ça va peut-être arriver un jour, lui et les créatures terrains que je contrôle gagnent +2/+2. Et ça sera une fin de tour. Ok, let's go, je vais taper. On ne parle pas de la ville. Je vais piocher. Donc je vais jouer un Woodland Cemetery, donc je vous avais dit que j'avais changé 2-3 cartes et c'est juste des landes, pardon. Je vais payer 1, 2, 3, 4 et je vais jouer la trille. Voilà.
Et c'est une fin de tour. Ok, eh bien écoute, je n'ai rien à dégager. Je vais immédiatement piocher. Je vais jouer donc le château de Lochtwain qui arrive sur le champ de bataille engagé si je ne contrôle pas un autre marais. Et heureusement pour moi, je contrôle un marais. C'est beau. C'est beau. C'est hein. Beau. C'est technique. C'est, Et je vais en profiter pour jouer mon commandeur. Bah en fait, le fait d'avoir la proposition de rejouer, de laisser une seconde chance à Nalia, le premier épisode, c'était pas vraiment bien passé. Le deck est pas du tout sorti comme il fallait. C'était l'occasion de lui laisser sa seconde chance. Et je t'en prie, à toi de jouer, Adi. Je n'ai rien d'autre à faire pour l'instant. Pas de piocher, bien joué. J'ai des tapes. J'ai pioché. Je pose une île, j'attaque avec ma 1-1 vol. Toi tu veux ? Allez. Allez. Tac. Tu perds un point de vie, tu meules une seule carte. Et une seule. Oh la meule. Oh la grosse meule. Oh, j'en avais besoin. Eh bien j'ai meulé une plaine. Et merci Adi. Je t'en prie, je vais jouer pour son coup d'incursion. Le Fairy Rossignol pour 3. Ouh, is that the fairy rossignol? C'est exactement ceci, donc c'est une 3 à vol, et quand elle est sur le champ de bataille, si son coup d'incursion a été payé, donc ça a été le cas parce que l'incursion c'est quand j'inflige des blessures de combat à un joueur avec un peuple fée ou un gredin, ce qui est le cas parce que c'est un gredin, je peux payer le coup d'incursion à la place de son coup de mana standard. Quand il est sur le champ de bataille, je pioche une carte. Non, c'est incroyable. C'est une fin de tour. L'incursion. Là tu m'as régalé. Je t'en supplie. Je pioche une carte. Et messieurs, messieurs dames, allez, je vais donner à cette partie tout un autre sens. Ok. La bienveillance va être de mise et la partie va s'accélérer grandement. Faut le savoir. C'est écrit dans mon livre, comme dirait l'autre. pour deux et une forêt, je vais mettre le sacre de l'abondance. Ah, c'est qui permet ça. Au début de l'étape de pioche de chaque joueur, en gros, de piocher une carte en plus. Et chaque joueur peut jouer un terrain supplémentaire pour chacun de ses tours. Et je pensais faire une bonne chose en jouant cette carte. C'était ma première intention. En vrai, ma première intention était... de vraiment accélérer le jeu, que tout le monde soit content, que personne ne boude, qu'il n'ait pas assez de cartes, etc. Voilà, comme ça... Et ça, tu nous régales, là. Ça, c'est... Je vous régale, en effet. Nous sommes régalés. Ah, écoutez, fin de tour, en toute dépositude. Toute sympathie. Donc, je vais détaper, et du coup, je peux piocher deux cartes, c'est ça? En effet. Je vais piocher une carte supplémentaire. Et je peux jouer deux terrains? Tu peux jouer deux terrains. C'est incroyable. Je vais jouer une tour de commandement et du coup un marais. J'aimerais tellement faire des... Wow. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors je vais jouer pour 4. Je vais jouer la fierté des parfaits. Oh. Donc en fait tous les elfes que je contrôle vont gagner plus de plus 0. Et du coup Adi a de quoi ? C'est 3-1. Bloqué, donc moi c'est une 4-3. De toute façon elle a la menace donc je peux pas bloquer grand chose personnellement. Ah oui. Ouais bah écoute, je vais venir chez toi avec une 4-3 vu que tu m'avais attaqué. Tu as 4. 4 dégâts de commandant d'ailleurs aussi. J'avoue c'est sympa parce que moi je t'ai infligé 1, toi tu m'infliges 4. Franchement c'est fair. C'est comme ça la vie. Parfois on reçoit plus que ce qu'on donne. Mais c'est surtout 4 dégâts de commandant et c'est important. Et vu que j'ai infligé 4 points de dégâts, je vais créer 4 jetons elfes. Guerriers qui ont chacun plus 2, plus 0. On y arrive. Ça y est, c'est fini. C'est fini, on a fin de game. Bah, tiens, ouais, arrêtez, rapide, c'est bon, arrêtez. Là, franchement, là, vous vous abusez complètement. Oui. J'avoue que le couteau sous la gorge dans les toilettes, ça m'a un peu surpris. Je vais rester comme ça. Okay. Je vais dire à toi. Tu es parfait comme ça. Je ne tape, je draw. Tu peux piocher une autre carte. Et je vais piocher une autre carte, je vais juste la mettre dans le bon sens. Le bon sens. Je peux mettre deux terrains également. Et je peux mettre deux terrains, donc je vais mettre un swamp. Oula, ça t'a fait tout drôle. Oh, ça t'a fait tout drôle. Et je vais jouer un Tainted Field. Ce fut les derniers mots de Bandit. Je suis en train de crever. Je suis en train de crever vraiment, en vrai. Merci à tous les Patreons, en tout cas. Dur. Ok. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais jouer hop, pour 4 mana Grim Hireling qui est un Tiefling Rogue. Un Tiefling Rogue 3-2. Quand une ou plusieurs créatures que je contrôle infligent des dégâts à un joueur, je crée 2 tokens trésors. Cool. Je paye 1 mana noir, je sacrifie X trésor. La créature ciblée à moins X jusqu'à la fin du tour. Je peux utiliser ça uniquement en tant que rituel, donc pendant mon tour à moi. Il me reste un.
un mana blanc que je vais jouer également pour jouer l'archiprêtre de Iona, que je ne connais pas du tout. Donc c'est une carte qui a étoile et 2 en endurance. Sa puissance est égale au nombre de créatures dans votre party, dans votre groupe d'aventure au début de votre combat. Durant votre tour, vous avez, si vous avez un full party, donc si vous avez votre équipe complète, la créature ciblée a +1/+1 et gagne le vol jusqu'à la fin du tour. Du coup, j'ai un clair, un rogue, c'est tout ce que j'ai, donc j'ai pas encore le full party. C'est une 2-2. C'est une 2-2. No party. No, voilà. Et je pense que je vais... Lincus, est-ce que si je t'attaque avec une 1-1, tu me laisses créer 2 tokens? C'est-à-dire qu'on en est sur ce genre de bail. Qu'est-ce que je gagne, moi? Déjà mon éternelle reconnaissance. Ouais, je vous offre des cartes à piocher quand même. Hein. C'est exactement pour ça. Est-ce que tu peux pas m'en offrir un petit peu plus pour cette fois-ci? Et je saurai m'en souvenir. Allez, vas-y, allez. Ça marche? Ouais, qu'est-ce qu'il est gentil. Eh bien, je vais t'attaquer avec juste la 1-1. La mère Et du coup, je vais créer 2 tokens trésor et c'est la fin de mon tour. Donc, à toi de jouer à Dibou. Je vais aller chercher le token. À toi de jouer. Dibou, on compte tout sur toi. Première carte. Deuxième carte. Double dose de seum. C'est comme ça. C'est vrai que ça accélère bien la partie. Hein. Bah, écoute, tu Tu voulais jouer vite. Bah écoutez, pour le moment, cette carte, quand je la pose, moi je suis toujours content. Hein. Je veux dire, je ne regrette rien. Vraiment. Je vais payer 3 pour jouer une rune clé de Dimir. Si je l'engage, j'ajoute un mana bleu ou un mana noir. Et si je paye justement un bleu et un noir, eh bien, cet artefact devient une créature artefact de bleu et noir au rush à la fin du tour qui ne pourra pas être bloqué. C'est beau. Et ouais. Et je vais en profiter également pour payer un mana noir avec celle-ci qui vient d'arriver et je vais jouer un changelin. Ah, je suis obligé de donner l'étape. Un proscrit changelin qui a tous les types de créatures ne peut pas être bloqué, bien évidemment. Oh, est-ce qu'on va attaquer? Non, je n'attaque pas. Il est vraiment dans tous les précons celui-là. Ouais, ouais, de ouf. Je dis à l'incu. Jeu d'étape, je pioche mes 2 cartes. Je pose la porte de la guilde de Boros qui arrive engagée sur le terrain pour 3. Non, 2 plus une forêt. Je fais le rituel suivant qui est la portée de Kodama. Ça permet d'aller chercher la bibliothèque jusqu'à 2 cartes de terrain de base. Je révèle ces cartes, j'en mets une sur le champ de bataille engagé et l'autre dans ma main. C'est plutôt sympathique. Ouais, bah toi aussi t'as le vol. Oui. J'allais dire, tu l'oublies souvent. Hein. Ouais, mais je tabasse doucement. Hein. Ouais, mais tu vas jouer ton commandant. Là. Ouais, donc je vous révèle celle-ci. Et je dois vous en révéler une autre aussi. Je vous révèle une plaine. Une sur le champ de bataille engagée, donc je vais mettre ma forêt. Et, vu que je peux mettre 2 terrains, chose que je n'ai pas encore faite, j'en profite pour mettre une petite plaine. 4, 5, 6, j'ai 6 terrains. Elle a +2/+2, et les créatures terrains que j'aurai auront +2/+2 également. Ok, très bien. Et c'est une fin de tour. Unbelievable, s'il te plaît. C'est un petit tour pépouze. Il était très bien, ce... En toute discrétion. Je vais détaper. Je vais piocher une première carte. Une seconde carte. Alors je vais jouer un stade des sous-bois. Ok. Et un marais. Du coup, je vais payer 1, 2, 3. Donc en tapant mon seul ring, je vais jouer un rajeunisseur. Rajeunisseur, disais-je, elfe. Du coup, je vais regarder les 5 cartes du dessus de ma bibliothèque. 2, 3. Et donc, je vais pouvoir mettre sur le champ de bataille une carte de terrain parmi elles et mettre le reste en dessous de ma bibliothèque. Je vais mettre une forêt et je vais mettre ça dans un ordre aléatoire. Et ça va aller en dessous de ma bibale, comme on dit. Ah, on dit comme ça? Ma bibale. Une bibale. Okay. Un bibable. Ça va, j'ai quelques landes, je suis assez content. Mais... je vais payer 2. Je vais jouer Myra l'épine de la clairière. Donc elle a un truc, c'est que quand j'ai un elfe ou elle qui meurt, je peux payer 1 et 1 point de vie et piocher une carte. Donc ça c'est quand même assez cool. Ouais, attention, ce terrain-là était engagé, donc en fait je vais payer comme ça. Voilà. Ok. Pardon, excusez-moi, je me suis trompé. Merci pour ta souplesse, bandit. Avec plaisir, très souple. J'adore. Du coup, ce que je vais faire, ben, je suis désolé, mais je vais venir chez toi. Mon cher Lincus, comme tu peux pas la bloquer, donc tu vas prendre 4 dégâts de commandant. Donc c'est... Attention, hein, je vais envoyer
deux tokens chez toi et deux tokens chez Adi. Ok. Donc ça va chez toi, ça va chez toi, ça va chez toi. Ce sont des 3-1, effectivement. Ce sont des 3-1, s'il meurt, tu payes un mana. Je pourrais payer un mana, ouais. Ok. Que vas-tu faire, cher ami? Rien. Moi, j'aime bien les controns, donc je vais me prendre les 6. Tu vas te prendre les 6. Ouais. Ok, bon, résolution d'abord net. Bon, en fait, il faudrait réagir, mais je vais passer aussi, je vais prendre 6. Ok. Je vais prendre 6 parce que... Et 4, tu les as déjà pris? Ouais. Ok. Bon, du coup, je vais créer 4 tokens. Ce que je vous propose, c'est un dernier token que je vais mettre là et je vais mettre un petit dé dessus. Comme par hasard. C'est beau. Voilà. Okay. Et c'est du 9-1 de tout. Ok, magnifique. Untap. Untap. Et je draw évidemment deux fois. Merci Lincus. Mais pas de soucis, moi je suis vraiment là pour ça. On te remerciera à chaque tour, hein. J'espère que tu es au courant. Hein. À chaque pioche, on te remercie. J'espère. Sinon, ça va chier. Hop. Je paye un mana marais, un mana noir, pour jouer évidemment le Solring. Solring. Tout le monde l'a, dis donc, moi je l'ai pas, je suis triste. Ok, je paye deux, un color, un mana noir, deux mana noirs. Tu as l'œil de quelqu'un qui maligance quelque chose, dis-vous. Je suis quelqu'un qui a 30 points de vie. Ouais. Juste 30 points de vie. Je vais jouer donc Gonti. Ah, Gonti. C'est quoi, Seigneur de la luxure. Peux-tu m'expliquer, s'il te plaît, bandit? Non. Eh bien, voilà. Non, c'est donc... En gros, alors, elle prend des cartes, alors met en Gonti, tu choisis un joueur, tu regardes les 4 premières cartes, t'en choisis une, elle est en exil, tu peux la jouer comme si t'avais... Enfin, les manas comptent pas, et les autres vont en dessous de la bibale. Mais donc, tu voles une carte à quelqu'un. C'est ça. De la Bible, n'oublie jamais ça. De la Bible. De la Bible. Je vole une carte de la Bible. Je pense que ce serait intéressant d'aller chez les elfes. Ah ben non, c'est intéressant d'aller chez Adibou, t'es sûr d'avoir des rogues. Putain, j'aurais dû attaquer. Mais j'en ai plein des rogues déjà. Ouais, mais moi j'ai pas par exemple de shapeshifter dans mon deck, alors que lui il en a. Ah oui, c'est les elfes que vous contrôlez, donc moi c'est pas intéressant. Eh bien écoute, Adi, les gredins. Bah vas-y, fais ton truc, tu l'écoutes donc. Écoute, je te dise. 3. Fatigue, je commence à 4, fatiguer là. Tu verras que ça va être un bon choix. Il me sentait très bien avec lui aussi. Hein. C'est vrai. Ça aurait été très bien avec n'importe qui, en fait. Mais tu t'es pas battu. Mais il avait déjà fait son choix, sort. Mais non, vraiment, t'as dit shapeshifter, il a fait « Oh oui !» Ah mais j'ai eu les bombes. Les bombes. Et ouais. C'est qui a lu le livre de Clément Viktorovitch là? C'est moi ou c'est toi? J'ai lu. Ok, c'est pas grave, j'en ai pris une. Fais-toi plaisir. Alors, je vais pas vous mentir, il y avait strictement rien de bien, il y avait que des terrains. Du coup, la carte secrète, ils ne le savent pas, mais c'est un simple terrain à la con. Mets ça en dessous. Je mets ça en dessous. C'est en dessous, on est d'accord, hein, de mémoire. C'est ça. Le hasard, ça change rien. Ok, donc je vais tout simplement laisser cette carte-là, cette carte mystérieuse, en exil pour le moment. Deux, je sacrifie deux tokens pour jouer, tout simplement. Felissa, Fang of Sidibiza. Et là, on a le full party, du coup. Ouais, et là, j'ai le full party. Attends, Claire, Rogue. Ah non, il te manque un warrior. J'ai un warrior qui me manque. Eh bien, je vais... N'hésite pas à m'attaquer, hein, tant qu'à faire. Non. Ouais, c'est ça, faut genre... N'hésite pas. Et crache-moi dessus, voilà. J'adore. Franchement, Je vais attaquer Bandit avec une 3-2. Je vais quand même filer la protection contre le vert. Ok. Ça mange pas de pain. Ça mange pas de pain, c'est toujours ça de prix. Ah. Ouais, je vais bloquer avec Miara. Ok. Et je vais, sur sa mort, je vais payer un et un point de vie et je vais piocher une carte. Sur la mort de ta propre créature. Ouais, j'en ai rien à foutre. J'ai jamais aimé. Ce sera tout pour moi. Fin du tour à toi, Adi. Adi, baou. Merci beaucoup. Baou. Je vais piocher du coup deux cartes. Comment profiter pour checker? Hop là, qu'est-ce que c'est que cette. Bah oui, c'est sur champ de bataille engagé, sinon c'était pas marrant. Évidemment. Et j'ai 4 mana. Qu'est-ce qu'on peut faire avec 4? On peut jouer son commandant, non? Non. Non, mais je vais jouer... Putain, j'oublie à chaque fois de détaper les trucs, c'est terrible. Je vais payer 4 pour jouer un maître voleur. C'est une 2-2. Et quand elle est sur le champ de bataille, j'acquiers le contrôle de l'artefact ciblé. Tant que le maître voleur est sur place. Donc j'avais pas de Solring, j'étais très triste parce que je trouvais que ça collait pas à l'émission. Du coup, je vais aller voler un Solring.
Franchement, moi aussi j'ai envie d'en avoir. Hein. Cette bonne guerre, je le fais, voilà. Vraiment je le fais avec plaisir. Et là du coup on est bon et je vais attaquer mon ami Bandit avec okay. Une 1-1 blocable. Ok, voilà. Je vais prendre 1. C'est complètement imbloquable. C'est imbloquable. Et c'est une fin de tour. Ouais, je suis bien, c'est pas exceptionnel mais je suis bien là. Très bien. J'ai dit un peu fort peut-être ça. T'as peut-être gagné ce combat, mais t'as perdu sur le terrain des idées. Ouais, la vache. Je pioche donc mes deux cartes. Donc pour 5, 6. Le ballot déchaîné. Oula, 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 oula. Je vois qu'un terrain arrive sur le champ de bataille. Doucement, bijou. Je peux créer un jeton. Créature 4-4 verte bête. Et à votre plus grande surprise, devant près de 10 milliards de millions de personnes, et ben ça sera fin de tour. Non. Non. Je vais détape toutes mes petites choses là. Ah, c'est ça la caca. Après tu peux jouer ton super commandant. Pas trop intéressant. Donc j'ai, j'en ai. Par contre, il y a quelqu'un qui a un board wipe. Ça ne m'intéresse pas spécialement moi particulièrement. Je vais piocher mes deux cartes. Ça commence à faire mal quoi. C'est 3, 6, 9, 12. Cool, ça c'est pas mal ça. Je suis content. 24. Ça fait beaucoup là, non ? Ça fait quand même beaucoup là, non ? Je vais payer 1, 2, 3, 4, 5 et je vais jouer un Vanneur Impitoyable, ce qui est un peu mon surnom. C'est un elfe et c'est un gredin, tiens. Ah, coucou gredin. Les gredins ! C'est l'elfe. Et au début de l'entretien de chaque joueur, vous allez sacrifier une créature non elfe, c'est tout. Voilà. Ok. Ça, c'est mon petit cliff. Il est mort, hein. Il est mort ? Oui, mort. Hein. Tu as raison. Tout froid, tout sec. Donc c'est une 4-4 qui donc devient une 6-4. Je suis con, je vais jouer mes terrains pour le tour. 1 et 2 qui arrive engagé, je vais gagner un point de vie. Et du coup, je vais faire 1, 2, 3. Je vais jouer un elfe des horizons lointains. Quand il arrive sur le champ de bataille, je peux chercher dans ma biblio une carte de terrain de base, la mettre sur le champ de bataille engagé, et puis mélanger ma même lien dingue. Petit editing avec une couronne sur la tête de l'incus. Hein. Je vais aller chercher une forêt. Ok, donc, putain, je suis vraiment... Voilà, c'est une forêt. Ça arrive au meilleur l'incus, t'inquiète. Est-ce que ce serait pas une montagne verte ? C'est une montagne verte, effectivement. Ah, mais c'est la fameuse, évidemment. La montagne verte. C'est vrai. Du coup... Là, il y a une montagne verte. Ouais, vas-y, balance la sauce. Balance la sauce. Non, je balance, vais rester balance, comme ça. Balance, je vais dire balance, à vous. Balance, ok. Balance. Eh bien, je ne tape tout. Tac. Je pioche une fois. Deux fois. Merci, Lincus. Pas de soucis. J'aurais pu faire... Je vais jouer donc le temple du silence qui arrive en jeu engagé. On peut plus parler pendant le tour à cause du temple du silence. On pourrait créer des règles comme ça pour l'émission, tu vois. Moi, j'avais proposé à la base qu'on mette une jarre au milieu de la table et que dès que tu joues un seul ring, tu dois mettre 5 balles dans la jarre. Puis c'est tout. Et du coup, à la fin, je propose la même chose, mais avec un... à chaque fois que tu joues un land... L'argent va à la planète après. Aïe, aïe, aïe. Trop tôt, trop tôt. Ah, ce sera posté dans 5 mois, tout le monde aura. Personne n'aura la ref. On s'est déjà passé sur autre chose. Internet, n'oublie jamais, tu sais. Je paye un Swamp et un Plains pour jouer tout simplement le Haut Prêtre of Penance. Dès qu'il subit des dégâts, je peux détruire le permanent. Ah, c'est vilain ça. Ouais, il est assez costaud. Ah putain, il faut le rendre indestructible et le pinguer avec des conneries. Là. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, je crois que Adi. Je vais venir... Ah mais non, je peux pas encore attaquer directement avec lui. Toi, t'es sur la défensive. Ça ronfle, en fait. Je suis à 30 PV, j'ai rien, tu viens m'attaquer. Ça ronfle, c'est un petit point de dégâts c'est pour avoir deux tokens. C'est terrible, cette histoire. C'est trop ? D'accord, d'accord. En plus, tu m'as fait meuler pour ta carte, je sais pas ce que c'est, là. Genre, ça se trouve... Oula, ça cheap. Ouais, ça cheap, là. C'est en train de se foutre de moi, là. T'es un cheaper, mon gars. Arrête de cheaper, hein. Putain. Ça ok, fou de moi. C'est quoi les créatures que tu as? C'est des 6-6. C'est de la merde, vraiment. C'est des 6-6. Non, c'est une 6-6, c'est une 2-3. Ou c'est pas de la merde, hein, frérot. Moi, c'est des. Moi, j'ai une 4-3, j'ai 8-3-1, enfin 9-3-1, 10-3-1, et j'ai une 6-4. Toujours plus. 6-4 la trique. 6-4-2. 9-7-4.
téléphone. Bien joué. Tac. Et on affichera le numéro de téléphone de l'Incus ici. N'hésitez pas à lui envoyer un petit message pour lui dire que vous adorez le jeu de rôle. Je vais t'attaquer avec Felissa, Fang of Silver Queen. Tête de tigre. Ah, tu as sacrifié une créature au début de ton entretien en fait. J'ai pas sacrifié de créature. Ah, j'aimerais que tu le fasses avant d'attaquer. Voilà. Parce que je suis un mec comme ça. Bah écoute, c'est... Tu sors ou je te sors? Il va falloir prendre une décision. Oui, là. Bah oui, mais bon, c'est pénible quoi. Pas de pression. Oui, c'est ça. On est en retard, mais sinon ça va. Ça ton aise. Hein. En fait, notre train est dans une heure, donc ça serait bien que voilà, tu vois. Ok, ça va. Faire ton aise, c'est moi qui paye les heures sup aux Angers. Ok. Calmez-vous, que diable. Les bâtards quoi. Et là, t'entends en fond, on est payé. Ah ouais? Ah putain! Ouais, non, mais vous comprenez, c'est pour la planète. Quand un non-token meurt. Ah non, il a pas de compteur en lui. Je biperai quand je dis planète. Quand tu diras planète, tu vas biper? Bah, planète, on le bipera. Planète, du coup, à chaque fois, ça sera bipé. Ouais. Si on parle de planète, ça sera bipé aussi. Si tu parles de planète. En gros, dès que tu vas évoquer le nom de planète, ça sera bipé. Ok, j'espère que les gens vont pas lire sur nos lèvres quand on dit de planète parce que sinon ils je vont biperai, Ce qui serait marrant, c'est que tu dises un truc et en fait on met une autre voix par-dessus. pas le bip, juste un autre truc. Oui, oui, F, amnesty. Et essaye pas de m'enfumer, t'as sacrifié la mère des runes. J'ai sacrifié la mère des runes et très je bon vais sacrifice. Envoyer. Je vais rien envoyer en vrai. Je préfère écho. Je vais écho un comme round d'écho. Comme le dauphin. Exact. Quoi? Comme Lysine, ça c'est très fin par contre. Ouais, effectivement. Écho Lysine. Ça c'est une ref de mec qui prend pas de bouche, mais il faut... Ah ouais? Ça mange des cartes graphiques et pas des micros. Hein. Ouais. Surtout pas des micros d'ailleurs. Non. À toi de jouer, Adi. Merci beaucoup. Vous m'avez perdu. Je sais pas la ref. C'est un perso dans LoL, il fait une attaque qui fait... Et il dit écho. Ah ouais, ok. 1, 2, c'est terrible. C'est et terrible en fait. Genre, je n'en peux plus là. Vu que t'as pas dit merci, tu me le 18 cartes. Ah, Dibou. Au début de ta phase d'entretien, tu vas devoir sacrifier une petite créature. Merci. Voilà, sacrifier le voleur. Ok. Voilà, un vol. Je vais payer 5, écoute. Allez. 1, 2. Avec mon Sol Ring. Ces gens qui ont la manie de jouer les cartes des autres, quoi. Ces gens qui ont des decks qui ne jouent même pas leurs cartes, tu vois. Ça me. Franchement, alors ceux qui prennent les cartes en plus des autres, qui les jouent même pas. Je vais jouer une aberration dévorante. Ah, ça c'est fort, ça, je pense. Je suis top. Elle a la force et l'endurance égale au nombre de cartes dans les cimetières de mes adversaires. Donc, je sais pas combien vous avez de cartes dans vos cimetières, mais on écoute 3 pour elle. Moi, je vais rester autour de 2. Bah, c'est une 6-6. C'est quand même. Une 6-6. À chaque fois que je lance un sort, chaque adversaire révèle les cartes dessus de sa bibliothèque jusqu'à ce qu'il révèle une carte de terrain. Puis il met ses cartes dans son cimetière. Ça, par contre, c'est un peu plus rigolus. Ça, c'est un blocable, donc j'attaque l'ami Bondi avec une. Allez, sérieux, quoi, pour tout le temps. Let's go. Donc, moi, je dois sacrifier une de mes créatures, c'est ça? Yes. Pourquoi moi, tout le temps? Très bien. Qu'est-ce qu'il prend? Paf, je pioche. Arrêtons. Mes deux cartes. Arrêtons. Ok, soit. Petite forêt qui se mange pas de pain. Et pour deux plaines et trois forêts, je vais faire un rituel qui s'appelle le surgissement planaire et qui permet de détruire toutes les créatures de mon terrain. Ok, je vais avoir une réponse à ça. Ah. En réponse à ça, je vais engager mon commandant. Et puis je vais engager 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et puis 10 elfes. Et du coup, pour me venger de ta Tavras, je vais t'infliger 10 points de dommage. Et je vais gagner 10 points de vie. J'aurais peut-être pas dû de la mettre chez toi. J'aurais dû mettre les 10 chez Ned, je pense. Mais voilà. Bah écoute, tu joues elf, tu prends Tavras. C'est normal, il faut l'accepter. C'est un deck qui se reconstruit assez vite. J'ai de la mana pour recaster mon commandant. Je suis confiant. M'en fous, je vais les bourrer. Donc tout ça, ça meurt. C'est exilé. Ok. Aïe. Ok. Et il me reste 2, il me semble. Sympa. Bonne ambiance ici en vrai. Hein. Ouais, tiens, un petit dé aussi. Pour une fois que c'est. Fin de tour. Moi, c'est un ennui. Eh bien, je vais piocher deux cartes. Moi, ah, pardon, je vais détaper. Sorry, j'avais pas d'étape. Je suis désolé. Hein. T'inquiète, t'as pas à être excusé. Ok. Bon, ben, c'est Tipar ou quoi? Je sens que ce deck n'a décidément pas envie d'être joué.
que je joue avec. Tout le monde est en mode genre, il est trop bien. Et moi, je suis en mode genre, ouais, j'aimerais bien. Je vais jouer. Bah, c'est le problème, c'est tous ces decks. Dès que tu prends une Vrace, tu remballes quoi. C'est comme Elf, quoi. Là. Et je vais payer 3. Et je vais jouer une elfe garde-bois. Donc, c'est une elfe, c'est une 1-2. Et quand elle. Je peux l'engager et une créature ciblée va gagner plus X plus X, X étant le nombre d'elfes sur le champ de bataille. Voilà. Et c'est une fin de tour, je t'en prie. Ok, je désengage, je pioche 2 fois. Je pense que j'ai pas landé 2 fois par contre, j'ai oublié. De rien sacrifier, ça c'est cool. T'as pas assez de mana en plus là, bandit donc. Ouais, ça m'embête, je suis un peu je juste. Je vais jouer une Command Tower just et une. Level up. Une Mutavolt. Ah, c'est un beau land. C'est un beau land, oui. Ce qui est super avec le Mutavote, c'est du coup que quand tu l'engages, il a tous les types. Du coup, ça peut vraiment t'aider. Quoi. Essayer de compléter un peu compléter le... jusqu'à la fin du tour, donc ça c'est cool. Je vais utiliser 2 mana blancs pour jouer 8 queues et demi. Et ensuite, je pas vais... Pas de chance pour un, visiblement. Ouais. Visiblement, il y en a un qui est tombé peut-être quelque part. Mal vécu le voyage. Qui est coincé dans la porte. Bref, pas au secours, mais quel enfer. Ok, je joue du coup 3 mana, 2 blancs et 1 mana noir pour jouer l'ordre de White Clay. C'est un clair 1-4. Celle-là par contre je la connais pas, donc je paye 3, je l'untape ouais. Et je fais revenir la créature ciblée avec une valeur de mana 3 ou moins de mon cimetière sur le champ de bataille. Ouais, elle est trop cool la carte. Elle est très cool en vrai. Donc tu dois attaquer. C'est ça. Ou alors la taper d'une autre manière. Et tac tac tac, it's still a land. Je n'ai plus de quoi invoquer mon commandant, donc à toi de merci jouer, beaucoup. Mon cher Alibou. À toi de jouer. Merci beaucoup et merci l'incu évidemment pour les 2 cartes qu'on va piocher. La main. Pas de soucis. Merci. Voilà. Moi je suis là que pour ça, je vous organise, je vous regarde jouer. Puis à un moment, ces terrains vont se transformer en des 8-8 Tremple. Mais c'est juste, moi je capte pas pourquoi vous jouez pas vos commandants quoi en fait. Moi il n'y avait aucun intérêt à le jouer. Bah si, il a touche terre, c'est une menace incrémentale. Oui, en fait c'est quand j'ai eu mes cartes assez. Enfin tu vois, en fait, ouais. Qu'il y a. Mais maintenant toi tu peux repartir. Maintenant je peux repartir avec mon oui. Après le clean. J'ai ce qu'il faut, ouais. Pour jouer Gonti. Moi aussi, je vais jouer Gonti. Et je me doute bien qui va être la cible. Ça peut être toi, Bandi. Ah. Ça va être mon ami l'incu. Très bien. Voilà. Il y a que moi que je les regarde. Il y a que moi que j'ai le droit de les regarder. Que moi que je les regarde. Et on notera que Obun est slivé en Dragon Shield et que quand même il y a une prestance. Il y a vraiment un plaisir à toucher la sleeve, quoi. Moi, ce qui n'est pas le cas des autres que nous jouons ici, qui sont vraiment beaucoup moins plaisants à toucher. Moi j'avais une question. Et je dis pas ça parce que grâce à Dragon Shield, vous pouvez acheter des produits de Dragon Shield via le petit lien et Solring touche 10% de tout ce que vous achetez. Donc c'est bien, ça permet de faire vivre l'émission. Resleever tous vos decks. En vrai, moi, je resliverai. Parce que là, il n'y a pas les dual mat black, mais c'est une tuerie. Vraiment, mais je dis pas ça parce que, encore une fois, vraiment, je le trouve vraiment ouf. Très bien. Une forêt. Intéressant. Et 3. Oh, la destruction, quoi. Petit rituel pour aller chercher dans la bibliothèque. 2 cartes de terrain. Et pourquoi tu ne joues pas d'abord ton commandant? Parce que j'ai pas assez pour jouer. Et j'ai besoin de cartes là. Il me faut t'as pas chose. Assez mes coups de 4. Pourquoi t'as pas assez? Bah là j'ai pas assez. Là, si tu comptes un tout pour petit faire peu. Les deux. Pour faire les deux, j'ai pas assez. Ouais. Ouais, mais c'est pas grave, mieux que tu joues lui et après tu mets 2 marqueurs plus influenceurs. Enfin après tu fais ce que non, tu veux. Non, mais après je peux poser. Moi il me faut des choses là. J'ai besoin de lui là. Moi je pense que le mieux c'est tu joues des landes. Chercher dans. Ouais, mais j'ai pas une main d'un. Enfin je sais pas, je suis pas à l'aise là. Ok, t'es pas à l'aise, le mana te rassure. C'est du mana doudou. Attends, j'ai besoin de plein de mana. Attends, ça me réconforte. Ça me réconforte de ouf pour 3. Rajeunisseur elf. Quand il arrive sur le champ de bataille, je regarde les 5 cartes au-dessus de ma bibliothèque et vous pouvez, sur le champ de bataille, engager une carte de terrain parmi elles. Mettez la nana, ok. Ok, ça va aller chercher du mana. En effet. Donc les 5, je crois, les 5. Du mana ou de la mana? Alors ça, ça, c'est la question. Il y a deux écoles. C'est terrain de base ou pas? Moi, ça dépend des humeurs. Ouais, je crois qu'en fait, ça change aussi ça des saisons. Carte de terrain. Ouais. Quand je suis Sunny Bandit, je dis de la mana. Quand je suis Cloudy Bandit, je dis du mana. Loyal neutre, ouais, voilà, c'est de la mana. Je vais mettre celle-ci engagée. Chaotique bon. Ouais, donc je peux reprendre ça. Et donc, je peux la remettre. Ouais. Je vais poser qu'un land. Ok.
Ouais. Et elle est dégagée en plus, ce qui m'arrange grandement. Fin de tour. Ah, magnifique. Ouais, c'est incroyable. Oh, ça rentre bien là. Je vais d'étape. Avant, faut jouer, hein. Non. Let's go. Hein. J'attends. Mais je fais Nadibou. Ah ouais, non mais. C'est terrible. Ça. Je vais jouer une Twilight Mire et une forêt, parce que je peux jouer deux terrains grâce à notre ami. Je vais payer 4, je vais jouer une canaliseur de brun bois. Je vais pouvoir l'engager et ajouter X mana de la couleur de mon choix, X étant le nombre d'elfes que j'ai sur le champ de bataille. Ensuite, je vais payer 1, 2, 3, 4 et 5. Et je vais jouer un assassin, enfin des assassins jumelames. Donc au début de mon étape de fin, si une créature est morte ce tour-ci, je peux piocher une carte. Ok. Est-ce que quelqu'un a quelque chose d'autre à dire là-dessus ? Non. Ok. Pas tout de suite. Pas tout de suite. Je me doute qu'il y a un truc. Je vais aller essayer d'attaquer chez Adibou. Donc, je vais engager mon elfe de garde-bois et je vais donner plus X à elle. Donc, je vais donner plus 4 et plus 2. Donc, c'est une 8-3 menace qui vient chez toi. Là, je vais prendre les 8. Ok. C'est 8 de commandant. Hein, ouais, donc, 8 plus 4, je suis déjà 12. Ouais. Ouais. Oh là là, il fait des dégâts. Il fait des dégâts. Du coup, je vais créer 8 tokens elfes. Je vais faire 2 fois 4 parce que je suis. T'es combien là ? Est-ce que tu as terminé ton tour savoir si Yes, je t'en prie. Magnifique. Ok, bon. Je ne tape mes terrains. Je pioche une fois, merci Lincus pour la deuxième pioche. Pas de soucis, c'est gratuit. Et je vais en jouer sur le Mortuary Mire engagé. Je peux choisir la créature ciblée d'un cimetière. T'es étonné que tu la sacrifies d'ailleurs. Ben, en vrai, je voulais pas la sacrifier et je voulais essayer de tenir le reste du board avec autre chose, mais quick. Ok, magnifique. Du coup, là, si on est pour 5. 2, 3, 4 et 5. 5 mana, je fais venir hop, le commandant sur le terrain et je vais en profiter. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 mana, parfait. Ok, je vais engager donc mon temple du silence et mon marais pour avoir. Comme ça, toi. Mmh. Je vais donc jouer silence. Le Malakir Blood Priest. En vrai, je vais pas rigoler normalement. C'est une 2-1, qu'elle arrive sur le champ de bataille, vous perdez tous X points de vie et je gagne X points de vie, X étant le nombre de créatures que j'ai dans mon groupe d'aventure. J'en ai 2 puisque j'ai les rogues et les clairs. Donc vous perdez tous 2 points de vie et je gagne 2 points de vie. Et par rapport à ton terrain, du coup, ça fonctionne pas, c'est ça, celui qui est ton terrain chef ? Je dois l'activer d'abord. Et je viens de me rendre compte que j'ai fait une petite erreur, mais c'est pas grave, ce n'est pas grave, je ne suis pas là pour jouer Opti. Je vais jouer 3 mana pour jouer le Harper Recruteur. C'est une 3-1 vol. Quand elle attaque, je regarde le top 4 de. Enfin, les 4 premières cartes de ma Bible, de ma librairie. Je peux révéler donc un clair, un rogue ou un wizard ou un warrior parmi elles et je la mets dans ma main et je mets le reste en dessous dans le derrière de mon deck. Le fameux derrière de deck. Et je vais attaquer. Ah. Non, je vais pas attaquer. J'ai pas les moyens pour, donc je ne vais pas attaquer. J'ai pas les moyens. Avant j'ai pas les moyens. Que ton tour se termine. Je vais pas toucher. Non, là, t'as 8 elfes, c'est ça ? Ouais. À toi, quand ton tour se termine, je vais payer 2 pour jouer en flash. Un voleur de pensée aérien. Mmh. Un 3 flash vol. Est-ce que vous avez 8 cartes ? Est-ce qu'un adversaire a 8 cartes dans son cimetière ? Ah, dans le cimetière. Ah, je pense que je dois avoir ça, oui. Moi, j'en ai 5. 6. 6, eh bah du coup non. Bon, ça arrive bientôt. 6. Non, c'est pas le cas. Ok, bah c'est qu'une 1-3, sinon vraiment on sera 8, enfin vous serez 8 dans les cimetières. Les gredins que je contrôle gagnent +1/+0 et ça implique que celui-là aussi gagne +1/+0. Mm-hmm. Et à chaque fois qu'on a un gredin que vous contrôlez attaque, chaque adversaire, meule 2 cartes. Bon, c'est doux. Hein. En vrai, c'est doux. Ouais, mais c'est de la médecine douce, ça. C'est bilingue. C'est la Let's go. Médecine douce. La médecine. Donc là, je vais piocher à la fraîche les 2 cartes. Pas de soucis, j'ai envie de me couper les burnes, c'est terrible. Hein. Genre oh, vraiment. Avec tout ce qu'on pioche. Pas maintenant. Je peux te parler d'expérience, c'est pas ouf. Je vais payer 4. Jouer le voleur de notions. 3 flash, un adversaire devait piocher
une carte, excepté la première qu'il pioche à chacune de ses étapes de pioche. Ce joueur passe cette phase de pioche et vous piochez une carte à la place. C'est-à-dire que vous allez tous piocher qu'une seule carte et moi je piocherai une carte en plus à chaque fois. Si j'ai bien compris le principe de la carte. Bah en fait, quand je vois le notionatif, je réalise pas forcément tout de suite, tu vois. Puis une demi-seconde après, je me dis oh. Mais en fait, moi, je me gave, et puis les autres, bah, juste, ils vont pleurer des larmes de sang. Donc, à ce moment-là, je suis très heureux de récupérer ça dans ma main. Je me dis que ça va me relancer. Tu vas piocher 4 cartes par tour, 5 cartes par tour. Aïe, aïe, aïe. C'est beaucoup, ça, par contre. Ouais. Et il faut gérer le voleur, là. Moi, j'adorais la carte de l'Incus, là, qui me faisait piocher 2 cartes et qui me faisait poser 2 terrains. Et là, effectivement, le Notion Thief d'Adibou, bah, je le vois d'un très mauvais œil. Il va se régaler, mais surtout, il va nous ralentir. Et ça, moi, j'aime pas. Stop. J'ai 20 points de vie. On parle de ta créature, pas de 45. Toi. Hein. Non, mais c'est. Laissez-moi jouer tranquille. J'arrive même pas à avoir des terrains. Je pioche 1000 cartes là, il n'y a pas de terrain, tu vois. C'est terrible. C'est terrible. Je propose de détruire Adibou. Et c'est une fin de tour. Voilà, t'imagines. On en est réduit à ça. Fin de tour. Pioche une carte. Adibou, pioche une carte. Pioche une carte parce que je peux pas piocher ma deuxième. Ce que je vais faire, devant vos yeux ébahis, messieurs, dames, je vais enfin. Après tout ce moment, un bandimou, maître, mon commandant. Bandimou. Le bandimou, le fameux maître, mon Obun, évidemment, créature légendaire, elfe esprit, et au début de mon combat. Je peux donc si bien mes terrains, le transformer en élémental, nanana, ok. Tu lui mets où ton Obun? J'ai eu le petit regard de la queue, dans mon dieu. Ensuite, pour une autre forêt. Une montagne et deux autres. Je vais mettre Mina Edin, née de la nature. Ah, yes. Qui en gros, elf également, qui m'invite de jouer un terrain supplémentaire à chacun de mes tours. Et en gros, je vais pouvoir activer donc son renvoyer un terrain que je contrôle dans la main de son propriétaire. Ce que je vais faire avec la montagne et la forêt d'ici. Je vais me renvoyer un petit terrain dans la main de mon propriétaire. Donc c'est moi, hein. Évidemment, je suis. Mon propre propriétaire, je vais prendre une forêt. Bon, vu que je peux jouer un terrain supplémentaire, je le pose. Mm-hmm. Il n'arrive pas à engager, il me semble d'ailleurs. Non. Donc tac, lui il a un petit marqueur. Et de toute façon il a le mal d'invoque, donc je ne peux pas de toute façon attaquer avec mon Obun. Mm-hmm. Donc ça sera une fin de tour. Jeu d'étape. Vendredi. Est-ce que t'as quelque chose qui a reach ou vol l'Incus? Nope, ok. Donc je vais piocher pour le tour et Adibou, je t'en prie, fais-toi plaisir. Merci. T'as combien de cartes? Miam 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 miam. Quand une créature que je contrôle... Non, à chaque fois qu'une autre créature meurt, chaque adversaire va perdre un point de vie. Donc là... du coup... Vous savez quoi? Je vais y aller, je m'en fous. Vas-y, mais fonce, bandit. Je vais payer 4. Je vais jouer une négociante d'objets trouvés Golgari, d'accord? Quand elle arrive sur le champ de bataille, je vais renvoyer la carte de permanence ciblée depuis le cimetière dans ma main, d'accord? Donc je vais payer... 5, et je vais rejouer le Vanneur Impitoyable, qui va faire mourir une créature à chaque truc. Oh là, attends, je viens d'avoir truc. J'en d'accord. Fait de cerveau. Attends, donc c'est quelle carte qui dit quoi, attends? C'est celle-ci qui dit que quand tu... Un truc meurt, tout le monde va perdre un point de vie, ouais. C'est un point de vie par carte? Ouais. Ouais. Par créature qui meurt. Ouais. Par créature mais c'est comment ça, comment c'est par créature que tu contrôles, c'est-à-dire que si... Non, c'est si toi tu tues ta créature, tu perds un point de vie. C'est tous les créatures, c'est un effet global. C'est comme... c'est Marvel, c'est global. C'est Coca-Cola. Non, mais je vais juste avoir un truc, parce qu'imaginons, lui, il nous refait une race. Bah oui, bah là... Où vont les dégâts? Bah, chez tout le monde. C'est donc ça. Là, ça ferait 1, 2, 3, plus 8, plus machin, plus ça, et tout. Ah ouais. Et donc, globalement, on meurt tous ensemble, ouais, main dans la main, quoi. Ouais, bah, sauf si tu butes ça en spot removal, et après, c'est bon. Ouais, c'est vrai. Ah, c'est ça l'idée! C'est vrai. Bah, je vais juste engager l'elfe garde-bois. Et je vais mettre plus X jusqu'à la fin du tour. C'est le nombre d'elfes que j'ai. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, plus 8. 15. Ça fait 15. Donc ça va être plus 15, plus 15. Donc c'est une 17. Donc c'est une 17, 18, plus 2. Donc une 19, 18 qui a menace. Je vais venir chez toi, Nat. Ok.
Je vais bloquer avec... menace, c'était deux créatures. Ouais, deux créas. Deux créas, je vais bloquer avec 8 queues et demi. Malheureusement, je peux pas donner la protection à quelqu'un, donc je vais la sacrifier. Et je vais mettre le Malakir Blood Priest en travers du chemin aussi. Ok. Ok, elle meurt. Et comme il y a deux créatures qui meurent, vous perdez chacun 2 points de vie. Zwei, ja. Ok, parfait. Et je pense que c'est une fin de tour puisque je n'ai plus rien dans les mains. Pas de soucis. Hop là, 3, 3 et 4. Je pioche et oh mon dieu, je m'y attendais pas puisque j'avais... Je vais piocher du coup. Exactement. J'allais dire. Ah là là. Je vais payer un mana blanc et je vais rejouer la mère des runes qui, ça, c'est pas mal, hein. Qui est revenue d'entre les morts. Toi, tu avais du vol. Toi, tu n'as pas de vol. J'ai pas de vol, moi. Tu n'as pas de vol. Toi non plus, tu n'as pas de vol. Non. Tac, je vais mettre hop, un mana blanc. Je vais activer le Mutavolt. Ça nous fait une 2-2 tous les types de créatures. Rogue, clair, warrior, wizard maintenant. Bim! Et du coup, ça nous fait un full party. Enfin, tour 9. J'arrive à avoir mon groupe d'aventuriers très compliqué à avoir jusqu'à présent. Je peux enfin faire fonctionner et surtout lancer mon commandeur comme il se doit. Donc de mon combat, si vous avez le full party, vous mettez un compteur plus un peu sur toutes les créatures que je contrôle. Et ces créatures ont la death touch jusqu'à la fin du tour. D'ailleurs, est-ce que tu as sacrifié un... Ah non, tu l'as pas fait. Créature. Je n'ai pas sacrifié de créature. Ah. Donc là, tu n'as plus le party, non? Si, je l'ai encore. J'ai encore le cléric, le rogue. Etc. Tout le monde perd un point. Tout le monde va perdre un petit point de vie. Exactement. Bili bili bilou. Magnifique. Tac. Oh là là, ça je les cherche, hein. ces dés là, j'arrive pas à en trouver. C'est quel jeu de cartes en fait? C'est des dés de... C'est des dés classiques de quota, tu peux voir, c'est des dés de posi, de... comment ça s'appelle? Il y a des dés de plus et de moins qu'il y a dans plein de jeux. Ouais. C'est ça, hein. C'est... Je sais qu'il y a ça dans plein de jeux, mais je n'arrive pas à en trouver. Si vous avez la réponse YouTube dans les commentaires, le jeu de cartes, moi je crois que c'est un truc... c'est des dés de Kems, j'en suis sûr. C'est possible, hein. Bandit, je vais t'attaquer toi. Ok. Avec une 4-2 vol. Ah zut, je devais piocher encore une carte. Adibou, grâce à moi, tu vas piocher une carte. Buter ce voleur de notions, bordel. Ouais, grâce ou pas arrive. Je vais attaquer avec... Le chaos revient. Je vais tout envoyer chez toi, Bandit. T'as 45 points de vie. Non, ok. Je vais envoyer donc une 4-4 et une 4-2 vol. Évidemment, je vais lui mettre la protection contre le ver à ma chère Nalia. Ok. Darniz. Du coup, je vais bloquer avec le vanneur et je vais la tuer. D'accord. Et au moment donc où le recruteur attaque, je regarde les 4 premières cartes de mon deck et je vais récupérer une des cartes de mon party. Yes. Ok, je vais donc révéler la carte que je récupère. Ah, c'est mon commandeur. Ouais. Et je vais la mettre en dessous. Donc le vanneur, c'est une 6-4. Pas mal. C'est ça. Et donc, normalement, si tu n'as pas d'autres effets, ils vont mourir. Le vanneur, mais il a la protection. Ah oui, non, c'est la... Ah, j'ai bloqué avec un noir, alors, du coup. Oui, en effet, tu as entièrement raison. Eh bien, en effet, résolution, elle die. Deux créatures meurent, donc vous perdez tous 2 points de vie. Je rentre bientôt dans ma forme finale. Hein. Ouais, je vois là. Moi, j'ai très peur de ça, parce qu'il y a encore ta carte, là, avec le... 2. Ça 4 si fais un pour les deux fois que je vais le... 1, 2, 3, tac, 4, et 1, 2, et 3, paf, pour la faire revenir instantanément. Oh. Ok, putain, s'il y a un truc maintenant, là, c'est... Bah, ça dépend, si c'est un truc qui ramène tout dans les mains, moi, je suis foutu, hein. Genre, ah oui, un rift, mais je pense pas qu'il y a des rifts. Ok, je pense que je ne peux plus rien faire d'autre. À toi de jouer. Merci. Il a un truc. Il n'y a pas des rifts, mais il y a des effets. Il y a des cartes moins chères, mais qui font. Je vais piocher des cartes. Ouais, une carte ramène des cartes. Du coup, son kiff, c'est de piocher des cartes, quoi. Par contre, il va falloir. En fin de tour, il va falloir. Non, mais t'inquiète. J'ai bien regardé la carte qui était en exil. Eh bien, je vais payer cette carte pour 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est l'ange de l'admonition. C'est une 6-6 vol. Okay. Et à chaque fois qu'un terrain arrive sur le champ de bataille sous mon contrôle, je peux exiler un permanent non-terrain ciblé autre que l'ange de l'admonition. Et quand elle quitte évidemment le champ de bataille, toutes les cartes que j'ai exilées reviennent là où elles doivent être. Je vais donc payer
Enfin, je vais mettre un premier terrain pour exiler ton truc de sulfateuse là qui fait que tout le monde l'archer. Ouais. Okay. Je vais mettre un deuxième terrain pour exiler également, je pense. Pff, je sais même pas quoi exiler. Tu viens de revenir à la game là. Quoi? Ah toi tu voulais faire des bêtises. Ouais, je voulais faire une grosse. Non, tu voulais faire les bêtises. Je voulais faire une. Je te prends par les épaules et on plonge ensemble. Non. C'est pas fini. Et je vais exiler ton. Si j'exile ton commandant d'ailleurs, en fait, il retourne dans sa zone de commandement, bien sagement. Tout à fait. Enfin, je peux choisir que de le laisser exiler. Ouais, je pense qu'il faut. Si je tape sur le fait d'avoir un spot removal et que t'es pas de contre, mais ça m'étonnerait. Vous conseillez quoi? Vous conseillez de virer son commandant? C'est une très bonne question, ouais. Le commandant, c'est le truc qui lui permet de rapidement récupérer ça, ça lui permet de bouffer. Ça fait combien de fois que tu l'invoques? C'est la première fois. La première fois. Il aura plus 4, quoi. Et vu tous les manas, je le jouerai direct. Ouais, probablement, mais ça va quand même bouffer pas mal. Ouais, ça va me ralentir. Ça va ralentir. Après, c'est un deck elf. Moi, je vis... Ouais, le commandant... Juste un truc, ouais. Aussi, les gars, regardez, moi, je suis au top deck, donc, j'ai été menaçant, mais j'ai pas hyper fort attaqué non plus, donc, C'est voilà. Ce que j'allais regarder aussi, parce que, en vrai, moi, de mon côté, j'ai pas grand-chose... J'ai vu ton clin d'œil, mec. Mais c'est parce que... Ouais, non, sorry, mais ça, c'est... Mais en vrai, ce que je dis, c'est vrai. Oui, c'est vrai. J'ai pas dit que c'était faux, mais j'adorais ton clin d'œil. Foncièrement, oui, c'est vrai. Bandi, il a trop de créatures, il a trop de points de vie, ça va trop vite, il peut repop vraiment facilement. Donc pour moi, à ce moment-là, c'est Bandi. C'est Bandi qu'il faut stopper, c'est Bandi qu'il faut calmer. Donc c'est vrai que je m'acharne légèrement contre mon ami belge, mais c'est parce qu'en fait, j'ai pas le choix de faire autrement si je vais essayer de pas me faire manger tout de suite. Hein. Je suis obligé de le faire. Ouais, je veux bien... Mais non, c'est pas grave. Tu veux exiler quoi? Bah ton commandant, mais qui va revenir dans la zone de commandement. Ok, super. Je peux pas en vouloir à Dibou, en vrai. Je suis la menace. Voilà, j'assume. Par contre, si je peux me permettre, j'aurais pas attaqué mon commandant. J'aurais pété l'enchantement qui donnait +2/+0 à tous mes elfes. À ce moment-là, il était beaucoup plus dangereux. Et ensuite, je vais payer 2 pour jouer un... Cachet d'ésotérisme, oh, voilà. Ésotérisme, du mana, et ça va être une fin de tour, il faut que je me défausse de beaucoup de cartes. C'est 3 cartes, je dois virer 3 cartes. Eh bien, ça va être fait. Voilà, c'est fait. Une émission comme Sol Ring, bah, ça demande beaucoup de boulot, mais aussi de la thune, et on a besoin de la vôtre. Comment nous aider? Bah, c'est très simple, vous revendez toute votre famille, vos reins, vos organes, vos plus belles foils, et vous vous rendez sur Patreon. Là, vous pouvez donner 2 balles, 5 balles, 10 balles, 1000 balles pour aider le show. Et en échange, vous avez des chouettes contreparties, du contenu exclusif, un chat spécial sur le Discord, l'accès aux decklists, des podcasts, des photos de backstage, enfin bref, c'est la folie. Lincus, je t'en supplie, fais quelque chose. Je ne prends évidemment que les liquidités, si vous voulez que je fasse quelque chose. Ça sera évidemment 5 euros. À sec. À sec avec des graviers, évidemment. je pioche, bah non, qu'une carte, hein, parce que t'as encore ton truc. Eh oui, oui. Merci. Enfin, c'est mieux qu'un reste extiodis, ce truc. C'est abusé, hein. Écoutez, donc pour 3 plaines. Très bien. Oui, il se gratte le nez. Hein. Et, oula, enculé, il se gratte le nez. Et, donc 3 incolores, mais bon, 3 machins. Petit rituel. Très bien. Qui permet de détruire tous les permanents non terrain. Je mets cette carte et que je remets tout à zéro. Et je comprends cette drogue horrible, de ce sentiment de puissance absolue, de niquer le fun d'une table et de vraiment détruire les espoirs des joueurs, te dire, ah, ça va peut-être une game qui va être rapide et tout. Détruisez tous les permanents non terrain. Ok. Permanent non terrain, celui-là, c'est Still Land. C'est à toi ça, je crois. Ouais, merci bien. Il est considéré comme étant encore. Mais normalement, il est à la fin de ton tour, il était revenu. Ah là, oui. Tu as. Parce que je vais avoir un petit truc pour un compteur pour mon. Ouais, bien sûr. Bah, ça tombe bien. Tac. Ouais. Tac. Compteur de mes elfes qui vient de se libérer. Chômage. Mon enchantement aussi disparaît d'ailleurs, by the way. Du coup, mon archer aux pointes revient. Donc ouais, c'est tous les permanents, donc effectivement mon Sol Ring shit, ça fait quand même un peu beaucoup là, non? Ouais, j'ai un petit problème, c'est que j'ai un peu dégueulé ma main. Là, cette deuxième vrasse, elle me met un peu mal. Hein. Je disais pour 5, avec ce qui me reste, je vais mettre une saga. Saga Africa, évidemment, comme on aime à la maison. Et qui, au moment où cette saga est sur le champ de bataille, après votre étape de pioche, ajoutez un marqueur Sapience. Je peux meuler 2 cartes, puis vous renvoyez une carte de créature depuis votre cimetière dans votre main. Je meule 2 cartes.
Les bras, c'est dur. Hein. Ah ouais, c'est surtout pour notre deck à nous. C'est vraiment. Alors, ouais, oui. On va prendre une minute de silence. Hein, vraiment. Ouais, vraiment. Pardon. Feels bad, quoi. Bon. Ah, je suis dégoûté. Surtout hein. Que moi, j'ai que 45 points de vie. Excuse-nous. Je suis vraiment mal, je suis dans le mal. Et vous m'attaquez. Je dois pas vous la révéler, non. Ah, c'est ok. Ouais, t'en as eu encore. It's ok. Et. Bah, fin de tour. Ok. On the board, let's go. Je vais les taper. Ok, je vais piocher une carte, du coup, c'est sage. Donc elle, elle me coûte 8. Ok. Imaginez si j'avais fait ça tout à l'heure. Bah écoute. Extrêmement. Parce que alors, je dois le dire, mais en fait, mon plan de base, c'était... Ça, j'étais un peu dégoûté que tu exiles sa carte, parce que moi, je voulais qu'on saute tous les deux ensemble, qu'on arrête cette mascarade, et comme ça, que tu bouffes l'ail. Et je vais payer 3. Merci. Et je vais jouer un ami, sage du reboisement, et quand il va arriver, je vais péter ton enchantement. Voilà. Très bien. Et ben, donc j'y suis, je vais te mettre 2. Tac, tac, ça marche. Et une 22. C'est un point de vie, ça commence à être long là. Ça commence à être, ouais. Ok. Oh, ça va vite. Pioche. Ça, il s'agirait, ça va vite. Il s'agirait de se toi, finir. Toi, dans 2 tours, tu m'attaques avec des 30-30. Il s'agirait de grandir. Il s'agirait de grandir. Je connais. Ah, c'est vraiment le missionnaire qui dure trop longtemps, quoi. Peggy and team. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Je paye 9. C'est beau. Ça va faire mal, 9. Pour faire revenir. C'est vrai que ça commence à faire mal. Hein. Ça commence à piquer le commandeur. Moi, j'ai payé 8 et personne ne m'a plaint. Ça, bon, c'est vrai que... Vous avez 45 points de vie, monsieur. Personne ne va vous plaindre. Personne ne va vous plaindre, en effet. Alliance, mais j'ai travaillé pour les avoir. C'est vrai qu'il a bossé. Hein et vous étiez où pendant que je me levais tôt pour avoir 10 points de vie en plus hein non, moi, je bossais pas. C'est moi qui me prenais les 10 de dégâts. Hashtag en marche, tous les elfes. C'est à toi de jouer, merci, je t'en prie. Merci beaucoup, Net. Regarde, hop là. Pa-pa-la-pa-pa-pa-pa, j'ai plein de terrain. Je pioche une carte. Je regarde ce que c'est, je m'en fous, en fait. Les elfes insoumis. Les elfes insoumis. Hop les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouf. J'ai 8 terrains en tout. Et avec 8 terrains, on peut faire plein de trucs. Déjà payé 4. Alors, fun fact, Adibou n'a pas encore joué son commandant de la partie. Pour c'est... jouer mon commandant. T'as de la coupe, hein. Je suis estomaqué, je m'y attendais pas. Et je vais payer 4 à nouveau pour jouer un infiltrateur agile. Quand j'engage un autre gredin dégagé que je contrôle, il ne peut pas être bloqué ce tour-ci. Et à chaque fois qu'il inflige des blessures de combat à un joueur, je pioche une carte. Elle gagne +1/+1 grâce à Anowon. Donc c'est en fait une 3-4. C'est une fin de tour. Et oui, Jamy, c'est une 3-4. Il reprend du poids. Regarde, il est à 15 points de vie, là, il commence. Et là, maintenant, il va. C'est ça, en fait, c'est... la strat Adibou est très simple. C'est-à-dire, j'attends 2 Vras et puis je me développe. J'ai l'impression qu'il se dit il y a eu 2 Vras, c'est bon, maintenant je peux jouer. Maintenant, on peut jouer au foot. Pour 2. Sorry, c'était pas de la moquerie, je trouvais que c'était très drôle. On l'adore. Moi, je me moquais, moi. Hein moi, on l'adore. Ah, toi, tu te moques, toi ? De qui ? De quoi ? Je sais pas de quoi on parle. J'aime beaucoup ton masque. De nous. J'aime beaucoup ton masque. Je vais vous mettre évidemment ce petit animal que vous avez reconnu. Piétinement, touche terre. Que tu as repris notamment. Que j'ai repris de ma main évidemment en toute sympathie. Je vais désormais tout de suite devant vos yeux ébahis encore une fois poser le territoire des Grûles. Et donc je me rappelle avoir entendu une voix dans ma tête qui m'avait dit enlève la carte. Donc il faut que j'enlève une carte de terrain. Toi, tu dois t'en renvoyer une en main. Ouais. Je me renvoie une en main donc je me renvoie. Une montagne, elle arrive engagée, il me semble d'ailleurs. Si je ne dis pas de bêtises. Ensuite, pour. Ça va déclencher ceci. Hein. Ouais, donc là, je le déclenche maintenant. Prenons une petite bête. Paf. Wow. Et ensuite, donc, pour. C'est fort. Deux. Macabelle. Pour 2 et une forêt, j'utilise la résurgence de roulis. Qui est un éphémère qui me permet de sacrifier un terrain. Il est en roulis. Il est en roulis, j'en roulis. Qui permet de sacrifier un terrain. Je vais sacrifier ce terrain-ci. Et qui permet d'aller chercher dans ma bibliothèque jusqu'à 2 cartes de terrain de base. Et je les mets immédiatement sur le champ de bataille engagé. Hop. Ce qui va me recréer 2 bêtes. Très militant de son côté. Donc, hop. Et un autre. Et une forêt. Ça va, Malcus ? Bah écoute, moi je. Ah là, on va rire. Hein. Ah ouais, c'est là je t'avoue que je sers très fortement. Moi je joue au jeu et je remélange. Hop. Et ça sera une fin de tour. Très bien, je vais détaper. Plutôt content de mon tour, écoute. C'est un très joyeux petit tour. Voilà. Je vais payer 4 mana et je vais jouer
un messager sylvestre. Donc il a quoi à nous dire? C'est une 2-2 piétinement, et quand elle arrive, je vais regarder, je vais révéler les 4 cartes du dessus de ma bibliothèque. Oyez, oyez. Et je vais mettre toutes les cartes d'elfes révélées dans ma main. Donc, c'est dommage, j'en ai eu que un. Et je vais la mettre dans ma main, et je vais mettre le reste au-dessous de ma bibliothèque, dans l'ordre de... Je m'en fous. Décroissant. Donc j'ai mis en dessous de ma bibliothèque, et donc voilà, j'ai ça en main, hein, vous le savez maintenant, puisque je vous l'ai révélé. Et je vais la jouer. Tant qu'à faire. Donc quand le druide du printemps arrive sur le champ de bataille, je peux sacrifier un terrain. Si je fais ainsi, je vais chercher dans ma bibliothèque jusqu'à 2 cartes de terrain, de base, les mettre sur le bataille engagé, et puis mélanger ensuite ma bibliothèque. Je pense que je vais le faire, je vais péter un marais, je vais le sacrifier, je vais chercher 2 terrains, comme ça, ça va juste un peu m'assurer peut-être de moins toucher de terrain. Donc un, et alors un deuxième, hein, c'est ça? Si même les terrains, on ne les respecte plus. Mais... 1 et 2, voilà, ça arrive engagé. Donc voilà, les terrains c'est fait. Et maintenant je vais déclarer une toute petite phase d'attaque, toute mignonne. Je vais t'attaquer avec une, deux, trois. Menace, je peux rien faire contre, donc je vais juste prendre mes deux premiers points de dégâts de commander. Et grâce à ceci, je vais créer deux elfes warriors. Il avait déjà préparé dans sa poche. Hey, dans sa manche. Jarmajax le type. Hein. Quel bandit. J'active. Ah, c'est un bandit, c'est un voyou. Je vais appeler voyou maintenant, et c'est fini bandit. Et ça va malheureusement être une fin de tour. Malheureusement. Ah, oh, l'autre. Ouais, honnêtement, dit là, je sais que j'ai 45 points de vie. Ouais. Je ne suis mais pas là, je suis fini en fait. Je suis fini tôt. Voilà, c'est fini tôt. Ouais, non, là, franchement, ça me fait attends, mal. Ça ne marchera pas avec nous. Là, j'ai pu faire deux elfes. Prochain tour, je peux plus en faire. Non, je vous promets, là, je suis. Ah ouais, moi, je suis. Bon, je joue mon Ash Barrens. Je pourrais faire le Basic Cycling, mais je vais les garder pour autre chose. T'as bien raison. Et du coup, donc, je vais engager 4 terrains pour jouer mon Squad Commander. Et je vais créer un token 1-1. Hop. Il est en dessous. Il attendait son. Mais t'es un magicien, toi. Mais c'est pire que bandit, en fait. Ah, ah c'est bandit la... et voyou. C'est bandit et voyou. Et voyou. Et du coup, comme j'ai deux membres dans mon groupe d'aventuriers, dans mon party, eh bien, je crée deux tokens 1-1 Core Warrior. Gros stuff. Grosse méga stuff. Belle ambiance. Je t'envoie la balle. À toi de jouer, mon cher. Amorti poitrine. Coup droit. Top délire méga drôle. Voilà. Let's go. On va piocher. Oh, on va piocher. Ça fait plaisir, on va piocher. Et je vais payer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pour jouer dans le sillage de Garouk, détruire toutes les créatures que vous ne contrôlez pas et tous les planeswalkers que je ne contrôle pas. Ça dégage. C'est encore un waste. Ça dégage, ça dégage. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vous perdez tous 15 points de vie. Allez. Dont toi, Adibou. Ça dégage. Moi, j'en peux plus. Donc, t'es mort. J'en peux plus. Sérieux? Je n'en peux plus. Tu bouffes l'œil, hein? J'en peux plus. Plusieurs choix. Déjà, je voulais rentrer dans l'histoire de Sol Ring. Donc ça, maintenant, c'est fait. Personne ne peut me retirer ça. Donc je suis plutôt fier de moi. La deuxième, c'est que j'ai un mécréant à côté de moi, hein, qui s'appelle Lincus, qui voulait me faire tomber bien avant avec cette même carte. Donc bon, à un moment, je décide de prendre les devants. Au moment où Adibou fait ça, hein, j'ai eu envie de le tarter. Parce que j'avais d'autres plans. En fait, j'avais une carte qui me permettait de once again reset le board. Et surtout de partir avec lui, de partir avec Adibou, tel Roméo et Juliette, et de regarder ensuite Bandine et Étalon s'amuser entre eux, nous face à eux, à faire des petites blagues. Eh ben, ça vaut le coup de t'inviter en tout cas. Ah, oh, ça fait du bien, je me sens libéré d'un coup là, j'ai l'impression que je peux dire des bêtises, ça y est, je revis là, d'un coup d'un seul. Ouah. Donc j'avais pas besoin de faire des plans sur la comète pour te flinguer en fait. Ça commence à coûter cher là, le commandant. Ouais, je t'avoue que là, mon commandant... Tous vos commandants coûtent 18. 10 moi là. Et ça, c'est beaucoup. Ouais, coûte rien, moi ça va. Hein. Ok, bah Dibou, malheureusement, tu nous quittes. Vous avez tous perdu 15? Ouais. Oui. Très bien. Toi, t'as perdu 15, toi? Non. Non. Pardon, ce serait dommage que ça me fasse perdre des points de vie, ma carte. Ah oui, c'est ton truc, putain, c'est vrai. Pardon. Bon, bah fin de tour, alors. C'est clair, en quelque sorte. On peut le dire comme ça, effectivement. Merci beaucoup. Aïe, aïe, aïe. Quel raisin. Et quoi, t'avais absolument plus rien, quoi, avec tout ce que t'as pioché? Ouais, j'avais... Si, il était temps. Il était l'heure. Il fallait partir. Pour moi, il était l'heure. Pour moi, c'était le moment. Il fallait partir.
Je voulais mourir parce que sinon lui m'amener dans la tombe en fait. Ça, c'est... Lui il veut m'amener en fait, il veut juste que je perde. Oui, oui. Donc t'as préféré te... Ah ouais, moi je m'occupe de moi comme un grand. Je pense que sur un suicide on peut combiner l'ail et la sauce piquante, hein, je dirais vraiment. Non. Non, ah non, justement, il y a une noblesse. Attention, nouvelle règle. Despotisme à 100%. Là, il manque ma plaine. Et il me manque deux incolores, en gros, c'est ça. Donc, je peux mettre mon petit Oboon. Ouais, là, on va... Ouais, là, on va souffrir. Oboon là, ça va être compliqué, hein. Ensuite, pour deux plaines. C'est deux plaines. Deux forêts. Pour les incolores, petit ange d'Emeria, qui en gros touche terre. À chaque fois qu'un terrain arrive sur le champ de bataille sous le contrôle, je peux créer des oiseaux qui ont le vol. Ça, c'est cool, les oiseaux. J'adore ça aussi, moi. Ah ouais? Ah ouais. À la poêle, au four? Non, les oiseaux, c'est... tu savais que c'était des dinosaures, en fait? Putain, c'est ouf. Incroyable. Non, vraiment, c'est ouf. C'est les descendants directs, quoi. De Denver. Vraiment. Évidemment, qu'on salue, un ami. Non, mais j'ai vu un putain de docu là-dessus. Un docu. Et c'est ouf, quoi. Et en vrai, ils ont découvert, en réanalysant des fossiles et tout, ils ont vraiment découvert que la plupart des dinos avaient des putains de plumes et tout. Genre le T-Rex, il avait des plumes. Le Vélociraptor aussi. Le T-Rex avait des plumes. Le Vélociraptor aussi a des plumes. Pour en revenir à Magic. À la régie, il nous dit qu'on s'en branle de ce qu'on raconte. C'est sympa, les gars. Je ne sais pas, puisque dans les commentaires, évidemment, comme ils sont. C'est que les dinosaures. Moi, je m'en branle de votre facture, ça va. Ils ont des dans les commentaires, vous pouvez mettre. On s'en branle, bandit. On préfère Magic. Donc, je disais, moi, je n'ai pas posé de terrain, donc j'en pose un. Voilà. Ce qui fait que j'ai un petit oiseau qui apparaît. Et surtout, petit oiseau. Avec le vol, évidemment. Donc, un dinosaure, en fait. Un dinosaure. Tu m'as un dinosaure qui vole. Donc, je déclare une phase de combat. Je ne peux pas engager de trucs parce que, évidemment, mal d'invoque. Mais je peux cibler un terrain que je contrôle. Il devient un XX élémental avec le piétinement et la célérité. Jusqu'à la fin du tour, X étant la force de Oboon. Donc ça devient une 4-4. J'attaque Bandit. Allez, et mon serviteur, quoi, mon serviteur? Bah, Bandit. Son serviteur Bandit qui supplie pour prendre 4 dégâts. Bah, écoutez, pour 2, une forêt. C'est ce qu'il chie sa main, lui, hein. Bah, écoutez, moi, je me suis retenu pour dans 1000 ans. Et hop. Là, je sors, il y a tout qui sort, là. Expédition du cœur de Kalni. Qui ne touche terre, c'est dommage, j'y pense que maintenant. Mais en gros, je peux mettre des marqueurs sur elle. Au bout de 3 marqueurs, je peux chercher des cartes terrain. Cool. Et les mettre engagés directement et à mélanger ma bibliothèque fin de tour. Et donc, je récupère ce terrain engagé. Ok. Je vais détaper. Engagé terrain. Je vais piocher. Engagé terrain. Yeah! Un land! T'auras pas ce plaisir. T'auras pas ce plaisir. Pas grave, hein. Ça réglera dans le train. Je vais manger une petite fricadelle avant de rentrer dans le train. Tu vas voir toi et tous les gens. Je vais prendre autre chose, moi, donc un peu de tromblon. Je vais payer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et 10, let's go. Je vais jouer la trille et une 20 tours, c'est génial. Je vais mal au cul, hein, franchement. Désengager tous mes terrains. Je vais piocher. Ok. Je vais jouer... Non, je dois penser à une action, je me dis, elle est un peu tricky. Quoi? Tu peux le faire. 4, 5, 6. Je paye 6 et je joue the Grave. Je vais récupérer une créature ciblée et soit un clair, soit un rock, soit un warrior, soit un wizard de mon cimetière sur le champ de bataille. Ça, c'est bon. Ça, c'est pas mal. Hein. C'est ça, bien, c'est, hein. Je t'avoue ça, que... Ça, c'est pas mal ce que tu nous proposes. J'aime beaucoup. Hein. J'aime beaucoup. Beau. Hop là. Ça, c'est beau. Tac, tac. Et je vais aller récupérer ceci. Ah, une que... Non, c'est deux que tu t'en... C'est en fait d'abord une première et... Ah, une seconde. C'est target creature card and up to one target cleric, rogue, warrior, etc., etc. Donc je choisis ces deux-là. Évidemment, mal invocation, tout ça, je ne peux pas. C'est trop cher. Ouais. Je ne peux pas. À toi de jouer, mon cher Alincus. Merci. J'essaie les dieux du top deco, parce que là ça devient triste. Allez, mon Incus. Allez, Incus. Ouais, actuellement, c'est lui qui a tout entre les mains. Hein. Allez, c'est le moment, là, arrête de faire. Hein. Ouais, on y va. Donc, déjà, je peux on a mon Guingamp, là. Tac, tac, tac. Alors, Guingamp, on sait ce que je leur dis à Guingamp. Hein. Je pense gagner. Mais il y a toujours Bandit face à moi avec son grand sourire et ses clins d'œil à la caméra, comme ça. Donc, le doute m'habite. À chaque instant de cette partie. Alors attends.
Donc déjà, j'ai posé une des meilleures cartes du jeu, la plaine. Wow. Donc ça va me créer un oiseau. Paf, un piaf, un petit compteur, et un petit jeton sur ça. Très beau jeton au passage. C'est vrai, jeton Dragon d'ailleurs, Shield, Dragon Shield. Hein. Super marque. Qu'on salue d'ailleurs, évidemment. On conseille, on recommande d'acheter sur le shop avec le lien. Qu'il y a évidemment dans la description. Allez. Sinon, ça compte pas. Sinon, c'est comme si vous achetiez du Ultimate Guard, par exemple. Ok, donc pour deux plaines. Ok. Oh, attends, il y a un move là. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a un move. Ok, deux. Et quatre. Trois, quatre. Six. Je vais mettre le Titan solaire. Mmh. Oh, un mélange parfait entre Pindé et Trauma. J'avoue, il ressemble de ouf. Qui a vigilance et à chaque fois qu'il arrive sur le champ de bataille ou qu'il attaque, je peux renvoyer sur le champ de bataille depuis mon cimetière une carte de permanent ciblée. Avec un coup de converti de mana inférieur ou égal à 3. Donc je vais aller faire un petit tour dans mon cimetière. C'est une solution rapide. Ouais, je pense. Parce que là, ça devient ingérable. Hein. Je pense que je vais devoir mettre en place ma solution. Tu m'as fait peur sur ça. Quoi ouais, ouais. Genre, tu t'as fait un accent allemand et j'étais vraiment. Non. Ouais, sur le champ de bataille, let's go. Le rajeunisseur elf. Et lui, quand il est sur le champ de bataille, je peux regarder les 5 cartes au-dessus de la bibliothèque et je peux mettre sur le champ de bataille engagé une carte de terrain. Que des belles cartes. Que des belles cartes. Que des terrains. Que des belles cartes. Un terrain, donc je peux avoir un oiseau, s'il vous plaît. Allez, un piaf. Un petit jeton. Est-ce qu'on pourrait avoir un piaf? Est-ce qu'il y a encore des dinosaures? Il reste un dernier piaf. Un dernier dinosaure, l'inquiétude. Un dinosaure. Ouais. Ouais. Allez, à toi. Mais donc, quand vous mangez du poulet, vous mangez du dinosaure. C'est vraiment, ça me... Et les dinos en plastique. C'est donc des oiseaux ou pas? C'est ce que ce sont des oiseaux? C'est à partir des restes de leurs ancêtres. Et donc, les petits canards en plastique qui vibrent. C'est des dinosaures. Ce sont en fait des dinosaures. Des dinos. La vie, c'est dingue. Des dinos dangereux. Et donc, je vais attaquer. Et donc, les mésanges. C'est le mec qui lâche pas. Ferme ta gueule, maintenant, s'il te plaît. Vraiment, on s'en fout. Je vais attaquer Bandit avec une. Tac. Une 6-6 piétinement. Je prends. Et. Alors, attends, je vais pas finir. Et. Ou je prends, quand il arrive. Et elle également. Ok. Donc, les autres ont mal d'invoque. Je préfère que tu fasses les calculs. 6, 7, 8, 9, 10. C'est une 6-6 ? C'est une 6-6, ouais. Ok. Fin de tour, en vrai, j'ai plus rien à faire. Eh bien, super, je vais détaper mes langues qui ne me servent à rien puisque je n'ai pas de carte. Allez, un terrain. Piocher. Joue-moi un petit terrain pour le goût. Allez, pose-le ! Pose-le ! Pose-le ! C'est qu'un terrain, c'est pas grave. Je crois que c'est une carte. T'as des solutions, toi, là ? J'ai peut-être une solution. Parce que j'ai une soluce, mais qui va te niquer aussi, donc. Elle va niquer dans quel sens ? Dans le sens où. Où ça ? En attendant, juste, j'aimerais profiter quand même de m'exprimer un petit moment. Je n'ai pas attaqué lorsque j'aurais pu t'attaquer. C'est vrai. Mais ça, c'est pas une question. C'est non, mais question c'est juste que... une. Non, regarde, il peut dire tout ça. Il est ingérable pour nous. Il est. Donc, il faut qu'on gère ça et qu'après on revienne à zéro. Parce que là, on est à zéro. En fait, le truc, c'est qu'en temps normal, je t'aurais dit ouais, d'accord. Mais ouais. Là, t'es vraiment dans une dynamique. Ingérable pour nous. Et tant que je target Bandit, ça ne t'inquiète pas. Ouais, mais après. Mon commandeur a 12 mana. Bah oui, mais bon, c'est pour ça. Là, dans un sens, on est les deux plus faibles, tu vois. C'est. En termes de points de vie, j'entends. Ouais, mais les points de vie, c'est une ressource, hein. C'est pas la force. Les points de vie, c'est comme la mana. Bah, j'irais dire ça à tous les gens qui ont perdu leur vie alors que. Non, elle est en proche. À tous les gens. Non. Désolé, votre grande tante est morte, c'était une ressource. Lincus, dans Magic, il n'y a qu'un seul point de vie qui compte, c'est le dernier. J'ai peut-être une solution pour une Vrasse, moins destructrice que détruiser tout, mais j'ai une solution peut-être pour gérer les gros trucs. Ok. Ce qui ne concerne pas, par exemple, ton commandeur. Ok. Eh bien, je veux dire que c'est une fin de tour. Ok, je ne tape tout. Et là, je l'ai niqué, en fait, j'ai rien du tout. Vas-y, attaque le Lincus. Ça serait un bon move. Au hein, pire, mais... en vrai, j'accepte. Ce sera un beau move, mais bon, il faut... Là, ça veut dire que c'est bon, tu peux l'attaquer. Bah maintenant, non, là, on essaie de négocier. Je l'ai pas attaqué exactement, tout à l'heure. Ok. En fait, le truc, ce qui est dommage, Lincus, c'est que mort. T'as 3 points de vie, j'ai une créature qui a 3 et qui a vol. Mais j'ai des créatures qu'on vole aussi. Ah, t'as des trucs qui ont vol. Ah oui, ouais, juste bah oui, il a des les dinosaures. Il a des dinosaures. Les fameux dinosaures. Donc, attends, j'ai une solution. J'en fais perdre le vol. Je rache leurs ailes. C'est pas des mouches, hein. C'est-à-dire des os. Tout simplement. Comme tu le sens, moi je vais attaquer. Non, j'ai pas de solution. Oh là là. Non ? Bah non. It's time to destruction. Souka tout. Pourquoi chaque fois j'ai dans ma tête des images de. Okay. En alors, très basse qualité de gens qui dansent très mal. Je vais faire ma solution de base. Dusk, toutes les créatures avec une puissance de 3 ou plus meurent. 3 ou plus ? Ouais. Mm-hmm.
Et je vais Aftermath également. L'état 1, 2. Et c'est pour 3, 2 blancs, tac, 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 3 et 2 blancs, tac. Et je vais renvoyer sur le terrain toutes les créatures que j'ai avec une force de 2 ou moins de mon cimetière. C'est bon. Je vais les renvoyer dans ma main. Première vras, j'ai rien dit. Deuxième vras, j'ai rien dit mais j'ai râlé. Troisième vras, j'ai de nouveau rien dit mais j'ai encore plus râlé. Maintenant, je lâche ma bombe à moi et je dois absolument revenir dans la partie. Et pour ça, cette carte est parfaite. Attention. C'est beau, oui, c'est quand même bien. C'est... Ça reste très correct. C'est hein. Oui, c'est... Genre, c'est... ça doit te faire plaisir parce que là, moi, ouais. J'en ai marre de ne pas avoir de tac, de ça c'est un, ça c'est un, ça c'est mais deux. Mais s'il faut le dire, c'est un artefact que tu as fait. Non, c'est un sortilège, sorcerie. C'est un enchantement. Un rituel. Ah, tu peux. Bien, ça rentre dans ma main. Et je vais rien faire d'autre pour l'instant. Là, il va se faire plaisir. 8. 8. Et bah voilà. Ah, 7. Je dois 7. Tu as entièrement raison. Ok. 4, 5, 6, 7. Ouais, ça va sans la fin de game. Je vais mettre l'oracle de Gré. Quand l'oracle de Gré arrive sur le champ de bataille, choisissez un adversaire si ce joueur a plus de cartes en main que vous. Piochez un nombre de cartes égal à la différence. Donc je vais te sélectionner 7. Moi j'ai que 2 cartes. Ok, j'en prends 5. C'est beau, ça l'incus, c'est un move de professionnel. Ça c'est beau. J'ai hein. vu à la télé un moment. 3. Ça, c'est moi aussi. Toi aussi, tu l'as vu ? C'est la même. Mais enfin, c'était... ça faisait. Ouais, je l'ai vu à Dunkerque. Exactement. C'est un samedi soir. Mais ouais, c'était très tard le soir. Je l'ai vu à Dunkerque. On l'oublie pas, ça. Donc, je vais rajouter encore une fois. Un magnanime ici. Je sais pas ce que ça veut dire. Alors. Multani, l'avatar. Oh, qui a porté piétinement et elle gagne plus un pour chaque terrain que je contrôle. Et chaque carte de terrain dans votre cimetière. 11, 12, 13, 14, 15. 15, belle. 15. Donc, c'est une 15-15. Elle a le mal d'invoque, de toute façon, et toi, t'as pas de personne pour te défendre. Pour l'instant, je n'ai pas, et j'accepte ta colère. 1, 2, 3, 4. Je t'attaque avec 3, 4, 1, 1, pardon. Donc 3 ça vols. Marche. Je passe donc à 7 points de vie. Yes. Fin de tour. J'ai oublié ce petit jeton, donc j'activerai ça évidemment plus tard à mon tour, et donc fin de tour. Bandito, c'est à vous. El bandito. Ben, je n'ai rien à détape. Oh, la tristesse de cette phrase. Oh, oh yes super yes. Bonne ambiance. Ok. En fait, le but, c'est savoir qui a le plus de land, tu vois. C'est pourquoi ils sont encore engagés, mais... T'as attaqué ouais, j'ai attaqué. Je vais t'attaquer pour deux, du coup. Juste pour créer deux tokens. J'en ai besoin. Spank me. Bah oui, d'accord. Okay. Spank me harder, hein, daddy. Spank me, sensei. Voilà. Ok. Je crois que je vais le faire maintenant, tant pis. Ouais, on n'a pas le choix, de toute façon, il faut le faire. Donc, je vais payer 5 et je vais jouer Ombre de Terre Vite. Et donc chaque joueur va devoir sacrifier 2 créatures. Pouah, lourd. C'est juste pour... Oh là là, ça c'est... C'est juste pour un peu enlever des trucs. Yes. T'as tout donné là, t'as tout sorti. Malheureusement. Y a tout, tout le jus est sorti là. Un peu triste. Je pioche, je ne tape, je pioche. Je demande au moins Peggy 13 là, comme émission. Quand vos parents vous demandent c'est quoi, si tu irais je pense bizarre, que là, mais... t'as vraiment un méga beau tour à chaque fois. Et ça, c'est la fameuse carte dont je vous parlais, le Deep Gnome Terramancer. Très bien. Qui a fait que ce deck a pris une valeur et qui est compliqué à trouver. C'est une 2-2 flash, fait plein de trucs. Ce que moi, je vais également jouer, c'est... gardez ça, tac. Je vais également payer 3 mana. Garde bien le mute à vote. Hein. Pour jouer, hop. Ah. Oui, ça c'est bien ça. Ça c'est bien ça. Ça c'est win. Lequel des deux ? Bah, les deux tuent. Mais celui-là, il a trample quoi. Celui-là ? Ouais. Okay. Eh bien, c'est une 1-1. Je peux payer. Elle est exilée, son contrôleur crée une 1-1 colorless. Elle est là, quoi. Elle est en exil, elle est plus. Donc, okay. Elle n'est pas dans ton cimetière. Donc, c'est une 1-1. Il t'en supplie. Ah non, mais non, j'ai pas assez pour le faire. Ah oui, suppliez-moi, pardon. Le boyeux. Fin de tour, c'est ça ? Non, pas du tout. Pas du tout. Je paye du coup un mana, un color. Je paye pour invoquer le mutavo qui devient une 2-2, tout type de créature jusqu'à la fin du tour.
et je vais payer un mana blanc pour faire venir Mother of Rune, qui est un clair, bon bah soit, voilà. Et je vais payer un mana, deux mana noirs pour jouer le Malakir Blood Priest. J'arrive à placer deux sous-types de créatures pour former mon groupe d'aventuriers. Il me manque la troisième pour aller chercher le dernier dégât. Le Mutavolt est là, je le sors, c'est parti, au revoir l'Incus. Et du coup, quand il arrive en jeu, vous perdez X points de vie, X étant le nombre de créatures qu'il y a dans mon party. Étant donné qu'il y a trois créatures différentes dans mon party, vous prenez tous 3 points de dégâts, je récupère 3 points de vie. Je vais juste laisser l'Incus répondre s'il a la possibilité. Bah non, je crois que j'ai perdu, hein. En vrai. Ah, je suis si triste, mec, j'ai fait tout ça pour toi. Non, mais en fait, j'ai fait le coup parce qu'en gros, j'ai mal compté. J'aurais. Bah, en fait, j'aurais pu non, demander mais de revenir en arrière. Non, mais t'aurais pu faire Nat direct. Et non, et de. Et ouais. Faire ton 1 avec Bond. Écoutez, bon, bah, une promesse, c'était une promesse pour moi. Hein. J'avais laissé Naitarion bien des tours avant survivre, si j'ose dire. La trahison m'a fait extrêmement mal. Hein. D'ailleurs, je couperai définitivement les ponts avec cette personne à partir de maintenant, à la fin de cette émission, et avec tout le peuple belge également. Je l'ai très mal vécu. Je ne boirai plus de bière d'ailleurs hein, depuis maintenant, c'est terminé. C'est un tour, toi, pour toi ? C'est une fin de tour pour moi. Bon, ça va être compliqué aussi pour moi parce que j'ai plus de points de vie, mais. Bah, mais les points de vie, c'est des ressources. Ouais. Oui. Oh. Yes. Un land encore. Yeah. Je commence à fatiguer, voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Et je vais jouer la Voix des Bois. Donc voilà, c'est pas grand chose, mais ça a le mérite d'être là. Et c'est une fin de tour à toi. Ok. Untap, untap, untap. Draw. Et hop là, tac. Tac. Elle est belle. Zulapor, Cutthroat. Ou une autre créature si elle meurt, etc. Chaque adversaire perd un point de vie. Je gagne un point de vie. Je vais payer un mana blanc. On a. Paf. Ouais, là, moi je suis foutu. Paf, paf. J'ai double ici. Hop là, mana blanc. Et celui-ci pour jouer Order of the White Clay. Oh, il a beaucoup là. Bah ouais, mais moi je suis au top deck depuis et là, 20 tours paf, en fait. Un mana blanc, un mana noir, High Priest, Penance. Ça je peux pas attaquer avec ça, ça je peux pas attaquer avec ça, ça non plus. Qu'est-ce que tu as de ton côté? Bah moi j'ai une 2-2, une 2-3, donc bon, voilà. Ouais, fin de partie. Honnêtement, je me vois pas du tout gagner là. Je me vois pas gagner. Je serre les fesses, je suis au top deck. J'espère que je vais prendre des bons trucs. Mais voilà, ça m'a l'air chaud. Je suis très bien là. C'est vrai qu'il y a un monde où j'aurais dû attaquer. Ouais. Eh bien, je ouais, ne vais fumé, pas. Hein, je ne vais pas attaquer. Je vais économiser. Okay. Parce que je peux pas vraiment faire grand chose sans risquer des créatures derrière. Si j'attaque trop directement Bandit, j'ouvre en fait ma défense. De mon côté, j'ai pas beaucoup de points de vie. À mon avis, avec la fatigue, avec l'enchaînement, je ne calcule pas la possibilité de pouvoir le tuer et de vraiment mettre toutes mes forces dans son offensive. Et tout simplement, je garde en retrait quelques troupes sur le board. Et je t'en prie, je te laisse la possibilité de dernier soubresaut. Ouais, sorry, je vais détaper. Tout ça, c'est une forêt. Il est comme en train de phaser. C'est juste une forêt. Je vais jouer ça, c'est une 3-1. C'est un ritualiste croissant. Quand elle meurt, je vais pouvoir renvoyer un elfe dans ma main. Ok. Mais. C'est une fin de tour. Vas-y. Ok. Untap également de mon côté. Untap. Untap et take. Ok! C'est pour ça que je dis piocher des cartes, c'est plus important que le reste. Ouais, bah oui. Parce que là, tu vois. Pas de terrain. Moi, j'ai pas de terrain. Pas de terrain pour moi. Mais je paye un incolore. Skullclamp. Ah! Skullclamp, très bonne carte, très très forte. Je vais piocher et surtout, je vais buter pas mal de mes créatures. Et donc, tu vas trigger ton effet. Et je vais trigger mon effet, tout à fait. Pour piocher des cartes. En gros, je l'attache à une créature. Elle a plus 1, moins 1. Si la créature meurt, je pioche 2 cartes. Et du coup, comme pas mal de mes créatures, c'est des 1-1, eh bien, ça va me permettre de pouvoir aller chercher des cartes. Je vais payer 1. Je vais hop. Sur le Malakir, Blood Priest, il meurt. Tac. Je perds 1. Tu gagnes 1. C'est vraiment lui qui m'a mis dans la sauce. Hein. Tac. Je vais piocher 2 cartes. Deux belles cartes au passage, hein, il a pris. Quoi? T'as pris 2 belles cartes.
Deux belles cartes, exactement. Deux très belles cartes qu'il y a. C'est les plus belles cartes qu'on a pu voir. Paf, je vais jouer le multiclass Baldric. Oh, c'est beau ça. Ça, c'est beau. Tac. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais continuer, hop, à jouer ceci. Attends, t'en as tué une autre en plus? Pas encore. Ah, okay. Donc, je vais jouer sur le High Priest Penance. Si elle meurt, son effet ne trigger pas puisqu'elle ne subit pas de dégâts. C'est en effet exactement ce qui est écrit, dealt damage. Elle meurt, je pioche deux cartes. J'ai pas joué de terrain encore ce tour-ci. Je vais jouer mon land. C'est bien posé là par contre. Tac, je vais engager. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Rien dans les mains, rien dans les poches. 7 hein. Techniquement. Virtuellement. Ah ! C'est une 6-6. Oui ! Mikaous ! Il est cool lui. Le Lunarque. Ouais, il est cool. Et donc je l'engage, je mets un plus un plus un compteur sur Mikaius, j'engage, je remove un plus un plus un. On le fera ça, c'est nécessaire au bon moment. Avec tout ça, mon cher bandit, Claire, Wizard, Claire, Rogue, donc ça nous fait 3. Will Warrior. Quoi? Will Warrior, il ou le guerrier. J'ai Claire, Wizard, Rogue, j'ai pas encore de Warrior, mais c'est surtout celui-ci, c'est en fait, c'est une 3-2. J'attaque, 3-2, et au début de ma phase de combat, sur mon tour, si j'ai un full party, gain plus 1 plus 1, c'est pas le cas, c'est une 3-2. Okay. Je vais bloquer avec la Ritualiste Croix Ancêtre. Parfait. Elle va mourir, son effet va se déclencher. Une créature à moi meurt. Ouais, donc je vais... Et j'ai pas mis... Ah, tu as... Oh putain, magnifique, tu es incroyable. Oui, je l'ai fait, t'inquiète. Merci beaucoup. Et sur ce, je vais écho pour le reste et je vais t'envoyer de nouveau la balle, mon cher bandit. Ouais, la tête dedans. Je vais des tapes, donc ça c'est dans ma main, je vais piocher. Ok. Let's go. Ah, je pensais gagner aussi, hein. Putain. Ouais, mais là, attends, 1v1, c'est moins bon. Ouais, et moi je fais que brick là, hein, donc... Ok, donc je vais payer 4, je vais jouer la négociante. Ok. Ça va me renvoyer un permanent. C'est pas l'inverse, quoi. Depuis mon cimetière dans ma main, ouais, je commence à fatiguer, hein, pour être... Pour ceux qui ne le savent pas, on tourne depuis longtemps, donc on est un peu fatigué. Et on l'appelle voyou, on l'appelle plus bandit. C'est plus le même homme. Crapule. Ah, crapule, c'est trop mignon. On l'appelle gribouille. Brigand. 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 Tout chemin. Je vais remonter dans ma main un sage du reboisement. Fifre, là. Mais t'en as de toute façon, changer un, non? Ouais, je vais péter ça, ouais, plutôt. Tu pètes ouais, ça? Ok. Je vais péter plutôt ça. Ça va se jouer à pas grand chose. Bah, ouais, il faudrait que j'arrête de piocher des landes si je veux m'en sortir, mais vas-y, c'est à toi. À moi? Sorry. Ok. Bah, non, pas de soucis, dis, c'est normal. Je ne tape, je draw. Ok. Ouf, attends. N'oublie pas que si tu crées, enfin si tu actives ton mutavo, tu as full party. Hein. Oui. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Faut pas l'oublier. Hein, ça. Je ne l'oublie pas. Ne l'oublions pas. Ne l'oublions pas. Je vais jouer comme ceci. 4. Firia, rétribution. Aïe, aïe, aïe. Je crée un 4-4 White Angel avec vol et vigilance. Hop. Ça fait mal ça. Ça fait mal. Hein. Mm-hmm. Ouais. Je sais pas vraiment ce que j'ai dans mon deck qui peut me permettre de revenir. Tac. Je veux bien juste un token pour mettre le premier ici. Merci les petits chats. Je vais du coup jouer le... tac tac, où est-ce qu'il est? Pas besoin, il est là. Paf. Un incolore pour le Mutavolt. Mutavolt. Du coup j'ai le full party. Mais, bravo. Mais tu n'as pas ton commandant. Mais je n'ai pas le commandant, c'est ça. Très sexy. Mais c'est un beau challenge. C'est un, il est là. J'ai un body, hein. Pas mal. Ouais, j'ai un body personnellement. Un body sur les mains. Drive. Oh, non, je peux pas. Ça, je peux pas. White, est-ce que je peux avoir une autre carte en blanc? Oui. Ou alors, je garde celle-ci. Ok, j'ai compris. Tac, tac, tac. Et je vais jouer Frontline Medic. Okay. Quand le frontline medic ou au moins deux autres et au moins deux autres créatures attaquent, elles ont toutes les créatures qui attaquent ont indestructible. C'est beau. Donc là, Let's Gong. Là, c'est Let's Gong, la fête du sleep. C'est beau ça.
Vas-y, attaque. Ouais, hein, ouais, je crois que je vais. Il faut y aller là maintenant. Faut y aller, ouais. Madame. Hein. Ah, c'est. Ouais, parce qu'on peut se regarder dans le blanc des yeux pendant très longtemps, mais si personne attaque, paf. Ça ne va jamais gagner. Faut finir. Mais... Order of White Clay, ça nous fait donc une 2-3. Je vais attaquer avec ça. Je vais attaquer avec ceci. Mm-hmm. Je vais attaquer avec Mikaius. Ça, je ne peux pas encore. Ça, je ne peux pas encore. Ça, je ne peux pas encore. Et je vais économiser ça. Donc, mon attaque, c'est ceci. Ok. Je vais prendre 2 de ça. Ok. Non, je vais la bloquer. Je préfère que tu pioches 2 cartes plutôt que tu remontes un truc de ton. Ah non, t'as plus de land. J'ai un land. Ouais, c'est tout. Un land. Bon, je vais la bloquer. Alors, je vais le bloquer avec la 3-4, la 2-3. Okay. Et la 2-2, je vais la bloquer avec. Attends, merde, il y a sûrement un truc que j'ai pas vu en effet qui lui permet de rajouter des trucs de plus 1. Ça me permet de gagner à prot. Si elle meurt, un PV en moins, c'est globalement tout ce qu'il y a sur le board. Ouais. De toute façon, là, tu activeras la prot après que j'ai. Enfin, comme j'ai déclaré mes bloqueurs, c'est tu ça. Peux l'activer après, mais donc ça fera juste rien. Mais donc je vais bloquer la 2-3 avec ça et la 3-4. Ok. Dans la résolution, qu'est-ce qui se passe? Du coup, moi, elle meurt parce qu'elle est dans la 2-3. Mm-hmm. C'est ça. Là, je vais donc activer la prot de verte, voilà, sur celle-ci. Donc elle subit pas de dommages. De toute façon, elle n'est pas indestructible vu que tu attaques avec plus que. Pas encore. Ça, c'est au prochain tour. Je dois attaquer avec deux autres créatures minimum. Mais donc celle-ci, elle meurt et celle-ci, elle meurt pas. Elle meurt pas. Tac. Celle-ci. Celle-ci, elle passe. Celle-ci, elle passe. Donc c'est 6 points de dégâts. Celle-ci meurt. Mmh. Et. Fin du tour. Ok. Je vais faire fin du tour. Elle avait un truc qui est pas. Je vais détaper. En fait, si, mais. T'avais pris un dégât. Tu m'as rajouté un point de vie ou pas? Non. J'ai pas eu de point de vie. Parce que celle-ci avait pris. Ma créature j'ai était pas. Morte. Et tu m'as fait perdre un point là ou pas? Moi, je n'ai rien touché à ton téléphone. Ok, bah voilà, je suis à 18. Parfait. Ok. Je vais payer 5, je vais jouer un reboisement de la moiselière. Donc à chaque fois qu'une créature que je vais contrôler meurt, je vais gagner un point de vie et je vais piocher une carte. C'est bon. Et je vais attaquer avec tout. C'est beau d'y croire. Moi, ouais. ça me fascine. Ça, c'est pas mal, ça. Je viens de poser l'enchantement. Au pire, je vais avoir des blocs défavorables, mais ils seront pas vraiment défavorables parce que je vais remplacer les cartes et je vais piocher. Et je suis à la recherche de solutions. J'ai encore une vrasse dans le deck, je crois. Il me la faut, donc je creuse. Tant pis. J'envoie, vraiment, là, c'est débarquement de Normandie. J'envoie les gens en première ligne et les petits elfes, ils sont là pour ça. De toute façon, les elfes, ça sert à quoi? Ça sert à faire du mana ou à mourir pour faire piocher des cartes. Il pourrait laisser tout passer. Et non. Puis il serait mort derrière, quoi. C'est beau, hein? C'est beau. Je vais bloquer, de toute façon. Ok. Je vais bloquer avec des trucs. Je vais bloquer, t'as 2-1 avec ceci. Je peux mettre dessus? Ouais, vas-y. Comme ça, on a, comme ça les gens voient. Également, je vais mettre mon Angel, quelque chose qui a un Death Touch ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est la menace. Donc je vais... Oui, c'est un bon bloc. Ouais, je pense que ça, c'est un bon bloc. Et je vais laisser passer la 2-3 et la 2-2. Ok, donc la 2-3, elle passe. Je vais créer, du coup... C'est ça. Deux elfes, donc ça va mourir. Donc c'est Simon. Je perds. Ouais. C'est une... Ah non, pardon, okay, c'est okay, moi qui... Je suis désolé. Attends, ça revient. Donc ça meurt. Ça meurt. Donc tu reprends 2 points donc, de vie. Donc je reprends 2 points de vie. Et je pioche 2. Oh, c'est un peu tard, ça. Fichier. C'est un peu tard, ça. Ok. Et sinon, toi, ça va? Ça va très bien. Je vais payer 3, je vais jouer l'Estaphylem des Lys Alana, et je vais payer 3, et je vais jouer... non, merde, je vais le faire dans l'autre sens, pardon. Ok. Je vais jouer Marwyn, et puis je vais jouer le truc, et donc je vais mettre un compteur sur Marwyn. Bim, 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 ok. Ouais, il se relève, hein, il se relève. Hein. Bah, j'avais besoin de piocher, là. Et donc c'est malheureusement une fin de tour. Ok, parfait. Tac, je me tape tout ce que je peux. Jeune. Paf, tac, je pioche. Parfait. Bah écoute, on va activer ceci pour 2 mana blancs.
On va, je passe, voilà, le trigger. Donc jusqu'à la fin du tour, les anges que je contrôle ont, je l'engage, destroy target créature avec pouvoir, la puissance inférieure à mon ange. Ouais. C'est une 4-4, donc je peux détruire tout ce que tu veux. Tout ce que je veux. Ouais. On va arriver en retard. C'est vrai. Ouais. Mais c'est plus intéressant d'attaquer avec l'ange en fait. Bah, tu peux faire les deux, il a vigilance. C'est ça, d'abord attaquer avec l'ange et ensuite détruire un truc. Faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Non, il me faut 11. Ça me... Brah. Ah ouais, ça me fait mal au cœur. Ça me fait mal au cœur. Mais c'est pas grave. Du coup, je vais attaquer. Je vais attaquer avec ceci, avec ceci. Je vais attaquer avec le Angel également. Okay. Étant donné qu'on a plus de deux créatures, elles ont toutes indestructibles. C'est toutes les créatures ? Ou c'est une ? Créature que you control gain indestructible jusqu'à la fin du tour. Ok, moi. Bon. De toute façon, je vais aller empaler ça. Ça. Et je vais empaler ceci sur ta 6-6, je crois. Et je vais prendre la 4. Ok, la 4 passe. Ouais. Uniquement. Ouais. Parfait. Donc je perds 4, c'est ça ? Yes, tu perds 4. Donc j'ai 3 créatures qui meurent. C'est ça. Donc je regagne 3 et je pioche 3 cartes. Je vais juste mettre celle-là si ça vous dérange pas. Ça vous dérange absolument, mais tout va bien. Et ensuite, Bandit, ce que je vais faire. Ouais. Je vais engager. L'engager ange. On va détruire une créature. Chez toi, je crois que je vais m'attaquer à ton commandeur. Ok, très bien. Je vais m'attaquer à ton commandeur. Ça meurt, je gagne un point de vie et je pioche une carte. C'est ça. Et c'est à toi de jouer. Ok, donc je vais détaper ça, je sais même plus combien il y en a, et je vais piocher une carte. Ok. C'est un enchantement, c'est ça ? Parce que je permets un second. Ouais, c'est un enchantement, ouais. Donc je vais jouer un temple de la maladie, je vais regarder ça. Oh, yes, bébé. Très bien. Ok, ouais, c'est long, hein. Sorry les gars. 1, 2, 3, 4. Donc je vais payer 1. Je vais jouer un Mystic Elf. Ok, donc ça va devenir une 2-2. Enfin, une 3-3. Attends, donc ça c'est mes landes. Je vais payer 4. Je vais jouer un Venin du Croix Ancêtre. Donc tous les elfes qui attaquent ont le contact mortel à partir de maintenant. Et quand un elfe meurt, tu perds un point de vie et je gagne un point de vie. Ok, on gagne 2. Et ouais. Et je vais payer 3 et je vais jouer un Archiduride Elf. Donc tous mes elfes vont gagner +1/+1. Et je vais compter ce qui me reste comme land, parce que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc mon commandant, il coûte 4 de plus. Donc il coûte 12. Ce que je vais faire, c'est que je vais taper notre popote là pour 5 mana. Et donc je vais payer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 plus 5, ça fait 13. 13, donc elle est à 12 en fait, elle me coûte 12. C'est ça, hein, elle me coûte 12. Hein. Oui. Voilà, et je vais rejouer ma commandant ici. Et je vais juste attendre et je vais dire à toi. Ah, en tout cas, bon, là je pose les deux enchantes, je me dis je suis quand même pas mal. J'ai la chance que dès que je tue une créature, je pioche, donc en fait je peux commencer à foutre plein de créatures et je vais l'avoir au burn, quoi, petit à petit. Mais je serre quand même les fesses parce qu'elle a un board de ouf et des effets aussi de protection et tout qui peuvent me mettre à l'envers. Donc je suis pas serein. Pour moi, je gagne pas. Mais il y a peut-être moyen. Sur un bon top deck, il y a moyen. Ok, ça marche. À moi de jouer. Je ne tape, untap. Je veux la prod là, on peut genre vraiment juste passer sur Adibou et Lancus. Heureusement en fait, qui sont en train de mourir. Non, mais c'est pas ça, c'est vraiment. Je regarde ce que je me dis, ok, là, tout à l'heure ça fait 12-20. Tous les anges que je contrôle, ça perd, ça revient, ça double strike. Yes. Tous les anges que je contrôle, j'ai accéléré le double strike. Tu as un ange. Quelle vie ? Et peut-être Mutavot qui pourra avoir double strike. Ouais. Tac, ce que je vais faire, c'est que je vais.
En avant vers les 6 terras de... Hunta, je vais dégager ceci, l'engager ici. Ok. Sur, ça va faire donc une 5-3. Mm-hmm. Je vais prendre 10, quoi, ça fait mal. C'est, ouais, c'est le truc. Et ce que je vais faire... Mm-hmm. Je vais retirer un +1/+1, mm-hmm. ici. Je vais l'engager. Je vais mettre +1/+1 sur toutes les autres créatures. Yes. Et la saga est au cimetière maintenant qu'elle a... C'était juste pour me rappeler qu'elle avait double strike. Ok, donc la saga va au cimetière vu qu'elle a atteint le troisième stade. Donc ça nous fait... Ça, c'est 12. Voilà, ça nous fait... Donc j'attaque avec ceci. Mm-hmm. J'attaque avec ceci, ceci. Et également ceci. Tout, là. De grâce. Hiberne-nous là. Et j'attaque... tu sais quoi? Franchement... Tu sais quoi? Juste pas avec ça. J'ai l'impression d'être en taux là. J'attaque avec tout. Et ça, c'est dur, je vais mettre ça là-dessus. Donc c'est une 2-2. Hein. Ouais. Et donc il y a quoi qui passe? Il y a 12 qui passe plus. Ici. La modeur. Donc 12 plus modeur plus ça. Ouais. Donc ça fait combien? Ça fait. 12, 14, 16. Ok, bah, je vais prendre 16 et ces deux-là ils vont mourir. Lui il va mourir. Pas elle. Du coup, comme il meurt, je vais gagner 2 points de vie parce que j'ai les deux trucs. Toi, tu vas perdre 1 point de vie, moi je vais gagner 2. Et je vais piocher une carte. Celle-ci meurt aussi. Celle-ci meurt. Tu perds pas tes 16, non? Et je vais perdre maintenant les 16, ouais. Mmh. Enfin, c'était pareil. Et n'oublie pas, si tu sais, rajoute-en une. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Et 5, je suis à 5 là maintenant, c'est ça? Ouais, c'est ça. À ce moment-là de la game, je suis convaincu, je peux pas la gagner. Je le savais, je n'ai pas du tout la même capacité que lui à reconstruire un board. Ça se passe très très bien, je sens que la machine, la vapeur est en train de changer de camp. Tu es à 5. Ok. Oh la vache. Et je gagne un point de vie également. Oh le reverse. Oh le reverse. Et là donc ça nous fait 8, holy 9, cow. 10, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jouer avant. 10. C'est mort. Ouais je sais, j'avais pas de, j'avais juste pas assez, je voulais vraiment être sûr à 100%. Attends mais non, elle meurt pas celle-là, puisqu'elle est indestructible. Ah oui, juste. Bien, bro. Donc, bien vu. Tu récupères 1 et ouais. Moi je reste à 11. Bien vu. Bien vu l'aveugle. Oh non, non, juste. Just is just. Et bon celui-ci. Hein. Et c'est à toi de jouer. Vas-y, achève-moi. Ah ouais. S'il te plaît. Je vais d'étape. Je commence à être épuisé. Là, ça devient. Ouais, dur. C'est. C'est la cash phrase, tu sais, le film un peu étrange. Tu sais, c'est la fin. C'est les la gars, fin c'est des bon, combats. C'est bon, les gars, c'est bon. Chenipan bon. Contre Chenipan, ils ont plus de PP. Ils sont. Je vais payer 3. Je vais jouer une abomination de la Noah. Voilà. Je sais pas combien de points de vie elle a, mais elle en a énormément. Puisqu'elle a la force et l'endurance de l'abomination. Égal au nombre d'elfes que je contrôle, plus le nombre de cartes d'elfes dans mon cimetière. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc 15, faut que ça vienne. Faut que ça sorte, là. 16, 17, 18, 19. Et alors, je vais tenter quelque chose. Je vais... Que quelqu'un me tue, merde. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Et je vais jouer les avant-coureurs du grand... Terrement, qui font que toutes mes créatures vont avoir +2/+2, le la vigilance. Allez. Et le piétinement. Allez, c'est fini. À plus en lame. Bien joué. Je peux plus. Je suis épuisé. Donnez-moi un carré de sucre. Je pourrais jouer sur les indestructibles. Non, non, non. Ben non, elles ont le piétos. Ouais, c'est ça. Donc, bien joué. Piétos contact mortel. Putain, là, c'est bravo parce que t'as, oh là là. T'as remontada là. Oh là là. Heureusement que j'étais pas en vie, bordel. Hein. On n'aurait pas terminé encore. Je pense que je veux. Franchement, je pense que j'arrête Magic là. Bon, je sais pas pour vous, mais moi je suis épuisé. Quelle partie, quoi. Ouais, sans manque de sucre. KO. Ouais, c'est une belle partie. Hein. Bien longue, quoi. On remercie Levras, hein. On en a fait plein. Et... Super, Levras. Hein. Mettez-en dans vos decks Commander pour des parties de 2 heures. Wouh. Bon, c'est pas tout ça, Adi. Ouais. T'as J'ai perdu. Choisi. T'as J'ai choisi. Choisi. De croquer, pas dans l'oignon. T'aurais voulu, hein. Et dans l'ail. Ouh. Ouais, ça... Oula, prenez un chewing-gum, Emile. Ah oui, bandit. Oh oui, j'arrive avec un petit chewing-gum rien que pour toi. Ferme les yeux, ça va bien se passer. On t'a mis un petit supplément piment bon pour ton poiré. Suicide. Bon, c'est immonde et ça pique. Ah ouais, ça, oh, oh, oh. Est-ce que t'as un petit mot à la caméra pour... Ça pique et c'est pas bon.
Tu dois faire l'outro du show. Tu dois dire que c'est Solring, le show qui met le record. C'est Solring, c'est le show, c'est le show qui met les autres playgroups dans les cordes. C'est le show qui met les autres playgroups dans les cordes. Oh, putain. Une bourde. Oh putain, mec, tu me tues tellement. Va le balancer dans les chiottes. Hein. Oh putain. T'as même pas croqué. Alors non, mais je sens, genre vraiment, sans, ça sent. Ça sent, ouais.